Good. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Kabibi Show TV, yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre le direct en vous abonnant, en cliquant sur la cloche de notification, en likant, en partageant, en être prêt à commenter. En tout cas, merci la team. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à vous manifester. Comme vous savez, quand on est en direct, on a besoin des likes, de liker la vidéo parce que nous sommes sur la plateforme YouTube. Merci la team. Donc, comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie. On parle de nous, on parle de nos expériences, de nos vécus. Aujourd'hui, on a une histoire forte. On a une histoire d'une maman, d'une sistou, d'une maman de la team qui a partagé son histoire. On vient de couper au téléphone. Donc, cette histoire, je ne sais même pas, je crois que je l'ai seulement bloquée. Hé, maman, depuis qu'on a commencé à parler, depuis 17h jusqu'à 20h, c'est maintenant qu'on va raconter l'histoire parce que ça a pris déjà trop de temps d'écoute. C'est pour ça que je vous encourage à laisser les voices. Parce que quand on parle, on parle vraiment long en large. Du coup, la vidéo, je ne peux pas la faire monter. Je vais la faire en direct. Voilà. Et je vais la faire en direct. Merci beaucoup. Je ne sais même pas si elle est en ligne. Je n'ai pas dit que j'allais faire tout de suite. Bon, bref. Alors, comme vous savez, quand on est en direct chez Kabibi Chaude, on fait la proclamation. Voilà, voilà. La première de la classe ce soir, c'est Jesus et mon absolu. Jésus-Christ est mon absolu. Merci beaucoup, maman, pour la présence sur la chaîne. La deuxième de la classe, c'est maman Gentil Lordi. Merci beaucoup, ma sister. La troisième de la classe, c'est maman Clémence Adaga. Bonsoir, maman. Merci beaucoup, les mamans remportées. Les mamans se sont connectées en premier, en tout cas. Comme ça, c'est mieux. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour les efforts que vous faites pour soutenir la chaîne. Ça en commentant. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre. Je vais vous saluer à la fin de la vidéo. On a maman Chouchinette, maman Chantal, maman Kray, je crois, maman Nono Badiamant, maman Bijou Sombo, maman Kess, Eden Golo, maman Nadine Okamba, maman Clarisse Muyembi. Oui, je viens d'écouter le message, maman Clarisse. Merci. Bonsoir, papa Denis. Ah, papa Denis, ça fait longtemps. Merci, papa Denis, Kabiona Kaseke. Merci. Voilà. C'est qui? Maman Moussiri, je ne vois pas trop. Maman, bref, vous êtes plusieurs. Merci à vous tous qui rejoignez le direct. En tout cas, n'hésitez pas à liker. Voilà. Cette histoire dont on va parler, c'est l'histoire d'une maman qui intervient beaucoup sur Kabibi Loba. Et à chaque fois qu'elle intervient, elle dit, je vais te raconter mon histoire. Je vais te raconter mon histoire. Hier, on a parlé, hier ou avant-hier, on a parlé d'une histoire, je crois que c'était d'une Congolaise, hein? Qui est à Lubumbashi ou je ne sais plus où, qui est en tout cas au Congo, qui était partie vivre dans sa belle famille, voilà. Et on envoyait l'argent à sa belle-sœur. Et notre maman avait appelé pour intervenir et tout ça. En tout cas, cette histoire-là l'a vraiment stressée, ça a vraiment réveillé à ce qu'elle puisse raconter son histoire. Comme je dis, vous avez toujours des histoires que vous gardez. Il faut qu'une histoire réveille une autre. Donc, notre maman nous a contactés pour partager sa vie, pour partager son expérience. Merci beaucoup, ma sister. Elle nous dit ceci. C'est une maman camerounaise. Bon, maintenant, il faut que je trouve les premiers papiers. Il y a 11 papiers. Ah! Maman, ici. Je regarde ton histoire, hein? Voilà. Je vais la première partie. Notre maman, c'est une maman camerounaise. Elle est Bamileke. Yes! On salue toutes les mamans Bamileke. Elle est de Bouda. C'est ça, non? Bouda. Elle est Bamileke de Bouda. C'est son village. Donc, notre maman n'est pas née là-bas au village. Elle est la fille d'une enseignante. Non. Excuse-moi. Ouais. Non. Je n'aime pas faire les directs. Elle est la fille d'un monsieur. Son monsieur aussi, le monsieur là, le papa de notre maman, c'est un monsieur du village Bouda aussi. Il est Bamileke. Son père a fait des études. Il a fait des études et il a commencé à travailler comme inspecteur des finances. L'argent, money. Leur papa, il a vécu comme ça.
jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, le temps d'étudier, le temps de terminer, de trouver le travail, il est devenu inspecteur des finances, sans femme. Pourquoi? Parce que c'était un ambianceur, un viveur, il aimait la vie, il aimait les femmes. Et tout ça, là, c'est à Douala. Le papa lui-même, déjà, il habitait à Douala. C'est à Douala qu'il a étudié et c'est à Douala qu'il faisait l'ambiance. Quand tu fais l'ambiance, là, sa tante à lui, le papa, elle connaissait la grand-mère, donc la maman de la maman. C'est la tante du papa qui la connaissait. Elle dit que mon neveu, toi, la vie, c'est moi comme ça, la bière, l'alcool, les femmes de Douala ici, elle ne termine jamais. Tu ne vas pas te marier. Il y a une coquette mignonne petite fille ici, c'est l'enfant de ma copine. Tu ne peux pas la prendre, tu la mets dans la maison. C'est comme ça qu'on prend la maman à 16 ans, à 15 ans. La maman, on l'a prise à 15 ans. On l'a donnée au papa qui a 30 ans. Il est déjà inspecteur des finances. On lui donne une fille de 15 ans. Toute naïve, elle part au mariage. Donc, le monsieur, il est beaucoup plus vieux. Elle n'a pas d'expérience. Elle ne sait pas c'est quoi être alcoolique. Elle sait seulement que le tonton, là, les gens, il est content, content. Alors qu'il est content parce qu'il a mis la bière, le whisky et tout ça, il a l'argent, il a 30 ans. Elle se marie avec lui, alcoolique, sans le savoir. Quand elle arrive au mariage, elle n'a que 15 ans. Elle vient comprendre que le tonton gentil, là, le soir, il change d'humeur. Quand il change d'humeur, c'est bastonnade. Quand il change d'humeur, il insulte. Elle a 15 ans. Seulement, elle s'est développée vite. Dès qu'elle arrive, on l'a engrossée. Donc, la maman, là, a commencé à être battue, tabassée, vivre sous domination. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à aller faire des fétiches pour maîtriser son mari. Parce que dans sa culture, d'où elle venait, elle faisait des fétiches. En tout cas, sa grand-mère, sa mère qui l'a accouchée, faisait des fétiches. Comment le mari, là, te tape comme ça? Le mari que ta tante t'a donné. L'argent, il y a. Mais il faut le doser, le temporiser. Il faut faire quoi? L'asseoir avec les fétiches. Donc, la maman a commencé à les faire des fétiches. Les fétiches ne marchaient pas. Elle a changé de stratégie. Elle a commencé à faire les fétiches de protection. Pour que, les fétiches. Non, laissez tomber. Elle a commencé à faire les fétiches de protection pour que le mari ait moins de colère. Parce que la bastonnade était too much. Elle a mis au monde 7 enfants, mais on a épousé aussi à 15 ans. Donc, quand elle a eu 25 ans, là, elle avait déjà mis au monde tous les enfants. Piou, 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 piou. Il ne faisait pas reposer l'enfant d'autrui. Tabassé, tabassé, tabassé. Elle a dit non. Il faut que j'apprenne à me débrouiller dans la vie. Elle a commencé à faire la couture. Le mari boit. Le mari boit. Cette maman a accouché 5 garçons. 5, comme les hommes aiment là. 5 garçons. Après, elle est venue accoucher notre sœur Josiane et la petite sœur de Josiane. Josiane, quand elle naît, son papa a l'argent. Elle ne sait pas que son papa est alcoolique. On le met à l'école, le papa a les voitures, le papa fait la vie. La maman coupe. Elle aimait beaucoup suivre la maman quand elle coupe. Vous voyez les mamans couturières, là, elle coupe comme ça, les tissus qui tombent par terre. Elle partait ramasser, maman. Ça l'a attirée. Elle a commencé à apprécier la couture. C'est comme ça que... Fermez la porte. C'est comme ça que, dans la couture, là, elle est... La maman... Quand Josiane a 7 ans, le papa a fait quoi? Le papa est parti... Si tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Le papa a... un jour, le papa est parti au travail... Il est arrivé là-bas, il était saoul. Il était saoul, il a fait des bêtises au travail, on l'a chassé. Parce qu'il gaffait tellement au travail. Vous voyez quelqu'un qui est alcoolique, il dort saoul, même mardi, même mercredi. Quand il part au travail, il gaffe. On a chassé le papa, elle avait 7 ans. Donc elle a connu son papa riche de 0 à 7 ans. Quand on le chasse au travail, il fait quoi? Il vient s'asseoir maintenant à la maison pour boire à la maison. La maman commence à se débrouiller avec la couture. Couture, 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 couture. La couture ne peut pas prendre soin de 7 enfants. La seule chance,
et que malgré son alcoolisme, là, il avait acheté sa maison. Donc, ils avaient un logement. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. On est en direct. Ils avaient un logement. Ils continuent à habiter là-bas, mais c'est la maman qui les fait vivre. La maman s'épuise. Elle prend les enfants et partage. Josiane ici, on l'a donné à sa grand-mère, la mère de sa maman, qui faisait les fétiches là. C'est là qu'on est parti donner Josiane, comme c'était la grande fille. Maman, tiens là pour moi, je n'ai pas l'argent. Et comme elle n'avait pas l'argent, et le stress des maris violents, ça tapait la tête à sa maman. Sa maman n'était pas straight, elle était dépassée. On t'a pris à 15 ans comme ça, t'es maltraitée. Donc, elle-même, c'est un enfant maltraité. Donc, elle a pris Josiane. Et la petite sœur, elle a donné à la grand-mère. Elle a pris deux autres enfants. Elle a donné, si c'est où, là-bas. Elle est restée peut-être avec deux. Et le mari, alcoolique. Là où Josiane part, ça a 8 ans là-bas. Elle arrive chez sa grand-mère. La grand-mère fait des fétiches. Mais en même temps, elle est chrétienne. Elle m'a dit que c'est très fréquent au Cameroun. Chez la grand-mère, là, la première année qu'elle arrive, la grand-mère dit que c'est le 24 décembre. On va partir fêter Noël. Tu connais Noël? Oh non! On va partir voir Noël à l'église. C'est très joli. On arrange l'église pour Noël. Ok, ok. C'est comme ça que... C'est comme ça qu'ils partent à l'église. Quand ils arrivent à l'église, on fait Jésus. On prend les films de Jésus, on met à la télé. Hein? On expose Jésus. Maintenant, la grand-mère explique. Tu vois le monsieur là? C'est lui Jésus que vous entendez compris là, Jésus au nom du Père, au nom du Fils là. C'est lui Jésus. Ah bon? Hein? Maintenant, on va montrer l'histoire de Jésus. Ça intéresse les enfants. C'est Noël. Les enfants commencent à regarder Jésus. Elle a vu l'histoire de Jésus, comment on a mis au monde Jésus et Jésus. Aïe! Quand on est arrivé à l'endroit où on a attrapé Jésus, on a commencé à bastonner Jésus. Maman, Josiane a commencé les dés. Elle m'a fait rire. Elle m'a fait penser à la maman prophétesse là, qui est sur Kabibi Loba. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi on l'a tapé? Ils sont méchants et tout ça. Elle a pleuré Jésus. Maintenant qu'on est arrivé à l'endroit là, qu'on a tué Jésus, yo, yo, yo. Josiane était inconsolable. Parce que dans tous les films, Jésus était gentil. Maintenant, pourquoi on l'a fait comme ça vraiment? Sa maman lui a dit, mais oui, c'est pour ça que lui-même, il a dit, il est mort pour nous. C'est lui Jésus. Donc, si tu veux être un bon enfant, il faut faire hein, ce que Jésus veut. Maintenant, elle, comme elle était petite, elle avait vu que Jésus avait beaucoup souffert. Maintenant, on lui a dit, comme tu es petite, on t'a dit que Jésus, là, il a souffert comme ça, c'est pour toi. Donc, si tu veux être un bon enfant, il faut lui faire plaisir. Ça, c'est la stratégie de la grand-mère pour l'éduquer. Alors qu'elle, ça l'a marqué. C'est ça la seule prédication qu'elle a eu dans sa vie. C'est pour ça qu'elle m'a raconté ça. Quand elle grandissait, elle avait la boule au ventre, la pitié de Jésus. Et c'est de Jésus, là, vraiment, la façon qu'on l'avait attrapé. Et puis, c'est la seule fois qu'elle a vu ce film-là. La façon qu'on avait fait. Ah non, 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 non. Si lui, il a fait tout ça d'abord pour moi, en tout cas, je dois être reconnaissante à ce Jésus-là. Elle est rentrée chez sa grand-mère. Sa grand-mère continue sa vie de fétiche avec sa fille. Ils sont en train de bloquer là-bas le papa pour qu'il ne la tape pas et tout ça. Elle est restée chez sa grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ans. La maman dit, bon, 11 ans maintenant, ça va. Ma tête est un peu calme. Hein? Je peux les récupérer. Elle les a récupérées. Quand elle rentre chez sa maman, c'est toujours à Douala. Même la grand-mère habite à Douala. Quand elle rentre chez sa maman, la maman est toujours couturière. C'est comme ça qu'elle apprend un peu avec sa maman la couture. Elle apprend la couture avec sa maman et commence à débrouiller. Ourlet. Ah, petite Josiane, tu sais faire l'ourlet? Oui, je sais faire. Fais-moi l'ourlet. 2 euros. 3 euros. Elle a commencé ça à 11 ans, 12 ans. Elle a commencé à se débrouiller. Donc, quand elle avait les 14, 15 ans là, elle savait vraiment coudre, vraiment que tu peux lui faire confiance. La maman lui laissait même la machine. Que petite, termine pour moi l'ourlet là. Sa maman était couturière. Son papa n'a plus jamais trouvé de boulot à l'alcool. Lui, il aimait seulement boire. Donc, la maman, là, elle restait avec un monsieur qui avait 15 ans ou 16 ans de plus qu'elle, qui était alcoolique et méchant. Elle dit, ça l'a traumatisé. L'alcoolisme de son papa, vraiment, ça l'a traumatisé. Maintenant, sa maman
dans sa famille, elle avait un cousin. Sa maman avait un cousin, lui qui s'en sortait bien. Du coup, elle est devenue copine à la femme du cousin. Le cousin-là avait des moyens. Elle s'entraidait mutuellement. Elle lui cousait des vêtements. C'est là aussi la dépanne, 50 euros, 20 euros. Elle vient à la maison, prend le sac de riz et tout ça. Comme dans la famille, vous pouvez être aussi bien. Ça veut dire qu'elle, elle est comme la belle-sœur gentille. Parce que la dame-là, c'est sa belle-sœur. Le monsieur, c'est son cousin. Donc, c'est une bonne belle-sœur. Avec la belle-sœur-là, elle s'entend, elle s'entend, elle s'entend. Un jour, quand Josiane ici a grandi tellement, la frustration, elle dit chez eux, elle était très frustrée. Son papa, vraiment, il avait un très mauvais caractère. Donc, tellement que la maman aussi était stressée et traumatisée, il n'y avait pas, c'est pas qu'il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas l'harmonie chez eux. Elle dit chez nous, il n'y avait pas une bonne ambiance. Du coup, pour parler, pour se défouler, se sentir un peu quelqu'un, elle dit, elle est partie aimer un copain à l'âge de 15 ans, juste pour parler. Parce que tu vas parler à qui? Le papa est toujours sous. La maman est toujours dépassée. Cet enfant, les autres, tu vas déjà partager à gauche, à droite. Donc, ce n'était même pas une maman à qui tu peux venir confier tes histoires. Une maman qui n'a pas le temps. Donc, elle est partie aimer un garçon. Ce garçon-là lui a menti, je t'aime. Elle dit, tu m'aimes, hein, viens, on va causer. Quand il part causer comme ça, les garçons prêtent l'oreille. Elle dit, hein, donc les garçons ici peuvent m'écouter. Je vais l'aimer. C'est comme ça qu'elle est partie aimer son premier copain. À peine elle trouve le copain comme ça, elle a 15 ans. Quand elle a 16 ans, la femme du cousin, la belle-sœur de la maman, le cousin riche, la femme du cousin tombe malade. Aïe! La maman, ça l'inquiète. Elle commence à envoyer Josiane chez la femme du cousin de temps en temps. J'ai préparé la semoule au duré ou les plats là qu'elle aime. Va lui laisser ça qu'elle mange. Josiane part, elle laisse à manger. D'autres jours, c'est la maman elle-même qui part laisser à manger. On va fermer la parenthèse, Josiane. On va aller dans la vie de la femme du cousin. La femme du cousin, là, c'est comment? Sa maman a une sœur. Sa maman, c'est la grande sœur. Sa petite sœur s'est bien mariée. Donc, la femme du cousin, chez eux, ils étaient pauvres. La petite sœur de sa maman s'est bien mariée. Quand elle part au mariage, là, elle met au monde les petits-enfants. On prend la femme du cousin, on l'envoie chez la tante. Va aider ta tante à toi qui a des petits-enfants. Quand elle arrive là-bas, la tante met au monde des enfants, des garçons. Là, parmi les garçons, là, on va parler d'un qui s'appelle Georges. Donc, quand on a mis au monde Georges, jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, la femme du cousin, c'était la cousine qui habitait là-bas, qui les lavait, qui les arrangeait, comme la grande sœur. Mais elle était beaucoup plus âgée parce que sa maman était âgée. C'est comme ça qu'on vient épouser la femme du cousin par les cousins. Le cousin vient la marier. Il la prend de chez sa tante et l'amène chez elle. Les enfants, là, les Georges, ils grandissent, non? Leur papa et leur maman ont l'argent. Ils sont quand même, ils vivent bien à Douala. Parmi les enfants, là, il y en a trois. Un qui tombe amoureux d'une fille. La fille amoureuse jusqu'à mourir. La fille, là, elle part aux États-Unis. Ses parents l'envoient aux États-Unis. Quand elle arrive aux États-Unis, elle fait venir le frère de Georges. Les frères de Georges arrivent aux États-Unis. Hein? L'Amérique, c'est comme ça. Comment je vais faire? Il faut aussi que mes frères viennent. Il se bat aux États-Unis, il paye les tickets pour son autre frère. Son autre frère monte en Allemagne. Son frère, là, il arrive en Allemagne, il fait les études, il devient médecin. Maintenant, Georges, son frère qui est aux États-Unis se bat aussi pour Georges. Georges lui dit que comme tu ne trouves pas la route, j'ai un ami qui est aux États-Unis là. Branche-moi avec lui. Je te mets en contact avec mon ami qui peut t'expliquer comment il a fait. C'est comme ça qu'il met son frère avec son ami en contact. Le frère fait venir Georges. Ça veut dire que je peux lui donner un nom, ce frère-là. On peut l'appeler Eric. Eric, le grand frère, fait venir Georges. Ça veut dire que les enfants qu'elle avait là, un est en Allemagne,
deux sont aux États-Unis. Ce sont ses cousins, mais les petits, c'était les petits. Elle, elle est partie au mariage, elle met au monde ses enfants. Maintenant, quand elle est malade là, le petit Georges qu'on avait mis au monde, qu'elle a lavé de 0 à 5 ans, revient des États-Unis. Il vient se balader comme un bon tonton. On lui dit que ta cousine là, elle est malade. Parce qu'elle est quand même bien mariée. Il vient des États-Unis. Il dit, OK, je vais aller voir ma cousine, grande sœur, malade. Quand elle arrive, ah, Georges, ça va, hein, ça va. Georges, tu as grandi. Georges, il cause, il rigole. Georges, aux États-Unis, là-bas, c'est comment? Tu as déjà 34 ans. Georges, tu ne vas pas te marier. Ah, tata, ah, grande sœur, laisse-moi, les Américains aiment beaucoup l'argent. Et tout ça, tout ça. Il rigole, il dit non. Moi, je peux te présenter quelqu'un. C'est comme ça qu'elle appelle la maman de Josiane. Comme c'est sa belle-sœur, avec qui ils s'entendent bien, sa personne. Elle lui dit, j'ai mon cousin petit frère qui me connaît, il m'écoute, ce sont les enfants que j'ai lavés, qui vient des États-Unis. J'ai envie de les brancher avec Josiane, hein, ta fille aînée. Envoie-moi Josiane. Josiane ne sait pas, la maman n'a pas vu Georges. Elle connaît sa belle-sœur. S'entendent bien. Elle sait que la belle-sœur ne peut pas lui donner un mauvais produit. Elle appelle Josiane, Josiane, viens, lave-toi. Habille-toi, porte la jupe droite. Prends la casserole ici de nourriture. Cours vite. Chez la tante là, vite de vite, même si ce n'est pas bon, bien préparé. Vas-y, parce qu'il y a quelqu'un là-bas. Tout ce qu'on va te dire, tu dis oui. Tu as compris? Maman, c'est quel genre de... Toi, tu dis seulement oui. La maman ne l'a même pas vue. C'est comme ça que Josiane ici, on l'a envoyée vite en mission. Elle arrive chez la tante. Chez la tante là-bas, elle arrive et trouve Georges qui vient d'Amérique, sans le parfum des États-Unis. Bonjour et tout ça, il regarde. La petite ici est bien. Et likez ma vidéo, s'il vous plaît. Likez, s'il vous plaît, la vidéo. Donc, quand elle est avec sa casserole là-bas, la tante la malade dit, Josiane, sœur. Josiane, comme ça, tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et tu vas à l'école? Oui. Tu es en quelle classe? C'est en quelle classe là? Et tout ça. OK. Le cousin jumelé, il a dit que c'est bon. Elle me dit, Kabibi, j'ai fait 1m10. C'est ça sa taille. 1m10. Donc, elle est petite de taille quand même. Pour une femme, ça passe quand même. Mais pour un homme, c'est petit. Georges fait 1m84. Donc, mettez 1m10 et 1m24. Maintenant, 1m10, tu as 16 ans. Tu as quelle taille? Tu es toute petite comme ça. Tu es comme un enfant. Donc, elle, quand elle disait même que j'ai 16 ans, elle dit, toi, tu n'as pas 12 ans. Vous voyez un peu les genres de filles comme ça. On croit que tu as 12 ans pendant que tu as 16 ans. C'est comme ça qu'elle était. Donc, quand tu la regardes, c'est un enfant. C'est pour ça que même là, il y a un copain à 15 ans. Parce que tous les copains croient que c'est une mineure, petite fille. Et le papa là, de 34 ans là, a dit qu'il l'aime. Oui. OK. Demain, viens ici. Ça, c'est la tante qui dit à Josiane. Josiane rentre. Maman, tu as dit oui là-bas? Oh, j'ai dit oui. OK. Tu as bien fait. Tantine a dit quoi? Oh, elle a dit que je viens demain. OK, demain, tu vas encore aller. Quand elle part là-bas demain, elle arrive chez Tantine. On a envoyé le taxi pour venir la chercher. On vient la chercher, on l'amène chez Georges. Georges est là. Il était venu avec un conteneur depuis les États-Unis, conteneur des locos, ce qu'on appelle chez nous, conteneur des choses que, on ne va pas dire qu'on ramasse, hein, les histoires qu'on prend là en Europe, là, on achète ça à 1 euro, 2 euros, là, les fers à repasser, les garde-robes, les, tout ce que vous connaissez que les gens font pour amener en Afrique. C'est ça qu'il a amené. On l'amène là-bas. Elle arrive, elle trouve Boss Georges. On est en train de vendre les choses. Donc, au dépôt, tu vois vraiment les big boss. Elle n'a que 16 ans. Elle ne connaît pas la vie. Elle ne comprend pas ce qu'il fait. On l'a fait asseoir là-bas. Tu veux boire quoi? Fanta. Les Fanta. Et j'étais des hamburgers. Elle a passé toute l'après-midi là-bas. Georges fait qu'elle la regarde. Elle le voyait papa. Toi, tu as 16 ans. Le papa, là, vient des États-Unis. Traumatisé, intimidé. Assise seulement comme ça.
Il a terminé, il a vendu ses histoires jusqu'à 17h. Il a mis dans la voiture. Ils sont partis manger dans un vrai restaurant en plein Douala. C'est normal, il vient des États-Unis. Il payait là-bas avec les dollars. Il ne connaît pas les dollars. Il ne connaît que les francs CFA. Hein, et tout ça, il mange, il cause en anglais, il cause comme si. Les soirs là seulement, il a pris, viens me montrer chez vous. C'est ce jour-là que Georges vient la déposer, qui voit sa maman dans les noirs. Il dit à sa maman que lui, il vend ses histoires à Douala. Mais il est de Yaoundé. Il habite à Yaoundé. Il va la prendre demain matin pour partir à Yaoundé, la présenter à sa sœur. Alors, Georges, là, il avait déjà causé avec sa maman au téléphone. Elle ne sait pas, elle avait 16 ans. Là, on dit, d'accord, papa. Viens la chercher, même à 4h du matin, elle sera prête. Viens la prendre. Le matin, on l'a frotté le corps. Vas-y, tu pars à Yaoundé, bon voyage. On l'a chargé dans la voiture, 4x4. On a démarré avec elle jusqu'à Yaoundé. Chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle arrive là-bas, c'est chez la grande sœur de Georges. Vous voyez, Georges, c'était les petits de 5 ans. Il avait des grands frères et des grandes sœurs. C'est les garçons qui sont en Europe, mais les filles sont mariées. On arrive avec la petite fille là, chez une grande sœur maman. Donc, si Georges a 34 ans, elle a même les 37 ans, 38 ans. Toi, tu as 16 ans. Hein, c'est toi, viens. Hein. Ils sont restés là-bas 3 jours. Elle dormait dans la chambre avec les enfants. Tous les matins, il y avait les boys, non? Les travailleurs. Elle se lave seulement, mange le petit déjeuner et tout ça. Allez, bonne journée. Georges va la mettre dans la voiture. Il va se promener avec elle là-bas à Yaoundé. Il a présenté partout, partout, partout dans la famille. Avec le nom de la cousine qui est là-bas à Douala. Et c'est la grande cousine qui lui a donné la femme. Elle est toute petite. Georges ne l'a même pas touchée. Tout ça, elle n'a pas touché, c'est l'enfant d'autrui. Ils se sont baladés. Elle a fait 2 semaines à Yaoundé. Il l'a ramenée à Douala chez elle, colis. Remet à ses parents, très content. S'il avait donné un peu à sa maman, elle ne sait pas. On ne lui disait rien. Ça veut dire qu'il a eu le temps de causer avec elle. Elle lui a dit ses projets. Elle va à l'école. Elle veut terminer. Elle veut faire le droit. Patati patata. Georges est parti. Il a dit qu'elle est devenue sa fiancée. Donc, ils ont fait connaissance comme pendant un mois, tout son séjour, il venait la chercher tous les jours. Pendant un mois, elle est devenue la fiancée de Georges. Donc, réserve de Georges. Georges part. Il fait 6 mois. Elle, la maman, ouvre bien les yeux. D'ailleurs, elle avait son petit copain, non? Avec qui elle causait. Et elle dit, maman, il n'y avait même plus moyen de voir les copains tellement maman était derrière moi. Déjà que maman, on n'était pas bonne copine. Donc, les copains, là, je lui ai expliqué que comme je suis là, c'est comme si on m'a donné un mari, là, qui vient des États-Unis. Un papa, là, des États-Unis. 6 mois après, on vient l'informer qu'on va la doter. C'est la dot. Eh, tout le monde est content, non? Le cousin, là, il est content que sa femme a donné un bon mari à sa nièce, l'enfant de sa cousine. On est venu doter Josiane. Quand on l'a dotée, on a dit que tu es devenue notre femme. Tu dois venir chez nous. Mais chez vous, où? Chez vous, pourquoi? Oh, viens seulement habiter chez nous. C'est comme ça qu'on a pris cette fille-ci. Elle allait déjà sur 17 ans. On l'a amenée à Yaoundé. Quand on l'amène à Yaoundé, c'est chez qui? La grande sœur, où on l'avait amenée en vacances de 2 semaines. Elle arrive chez la grande sœur sans Georges. On ne l'a pas dotée avec Georges. On a envoyé l'argent. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes en direct sur YouTube. Quand elle arrive chez la grande sœur, elle a 17 ans. Elle a l'âge d'être son enfant. La grande sœur prend le rôle des grandes sœurs. Les parents, son papa était inspecteur des finances. Même s'il est alcoolique, il sait que les études, c'est important. L'arrangement avec Georges était qu'elle allait continuer les études. Donc, quand elle arrive chez la grande sœur, on l'a remis à l'école. Mais seulement, elle est mariée. C'est pour protéger l'enfant, pour protéger la femme. La grande sœur est seule. Comment ça l'a maltraitée? Elle doit aller à l'école et être bonne pendant que la grande sœur a des bonnes. Oh, c'est pour savoir si tu sais travailler. La maltraite, on lui complique la vie et tout ça et tout ça.
Elle passe quand même le bac. Elle réussit le bac. Elle a tapé 2 ans sans voir Georges. Georges est parti s'asseoir en Amérique. Georges est venu, peut-être il attendait qu'elle ait 18 ans, on ne sait pas. Georges est venu 2 ans après. Quand il vient 2 ans après, il décide maintenant que de la consommer. C'est sa femme, on l'a déjà épousée, ça fait 2 ans. Georges vient pour 1 mois, il prend un appartement, hein, comme les Banapoto, les gens d'Europe, il la met là-bas, consomme bien le produit acheté il y a 2 ans, il la met enceinte. Elle a 18 ans, ne connaît pas la vie. Il la met enceinte. Quand elle reste enceinte là, Georges prend l'avion, il était venu encore avec le conteneur, il repart aux États-Unis. On la laisse chez la grande sœur, au mariage chez la grande sœur. La grossesse. Chez la grande sœur là, elle n'a même pas 1 euro. Georges envoie tout l'argent à sa grande sœur pour elle, et pour l'école, et pour les savons. C'est pour ça qu'elle avait appelé dans les directs là, parce qu'elle-même, elle a vécu ça. On prend soin d'elle comme les enfants de la maison. OK, mais elle est enceinte. Un jour, elle est enceinte, c'est de 4 mois, c'est de 5 mois. La grossesse l'a tapé que non, non, non. La maladie a dépassé. La grande sœur lui dit là-bas à Yaoundé, va à l'hôpital. Elle prend, si c'est 10 dollars, si c'est 20 dollars, elle lui donne que va à l'hôpital. La grossesse ne tue pas, la grossesse, ce n'est pas la maladie. Va à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital de l'État, hôpital public. Elle arrive à l'hôpital là. La queue comme ça, elle est arrivée à l'hôpital depuis 11 heures. Malade. Elle s'assoit. Hein. Elle s'assoit à l'hôpital jusqu'à 17 heures. Depuis 11 heures. Elle n'a pas encore vu les médecins. On vient, pam, pam, pam. La journée est finie. Hein. Il est 17 heures. Le docteur a fini le service. Revenez demain. Apparemment, ça se passe comme ça. Elle a dit, moi, je suis restée toute la journée malade. On a dit que le docteur, là, il a reçu. La queue avançait, hein? La queue avançait jusqu'à 17 heures. Le docteur, le travail est fini. Si vous êtes beaucoup comme ça, que lui fasse quoi? Il a fini le travail, il rentre chez lui. Les restes, là, venez demain. Si vous ne mourrez pas, vous venez demain. Vous allez le trouver. Et elle était malade. Elle est rentrée seulement avec les 20 dollars, là, toujours malade. Quand elle arrive là-bas, dans les quartiers, elle connaissait quand même les gens qui savaient que c'est la femme de Georges. Elle rencontre un grand là-dessous. C'est quoi tu marches comme ça? Je suis malade. Mais tu n'es pas là à l'hôpital. Lui croyait qu'on l'a maltraité. Elle a dit, je viens de l'hôpital, j'ai fait toute la journée. Le docteur a dit que je viens demain. Il a fini la queue. Et le type a dit, tu es passé à quel hôpital? Oh, à l'hôpital de l'État là-bas, à la clinique. Il lui a dit, toi, tout l'argent que ton mari a, c'est ça l'hôpital où toi tu pars. Pourquoi tu es parti là-bas? Tu n'es pas allé au privé. Elle a dit, l'argent qu'on m'a donné ici, c'est pour aller là-bas. On t'a donné. Qui t'a donné? Oh, sa grande sœur. Mais toi, dans ton argent, dis, quel argent? Mais toi, tout l'argent que ton mari a, toi, tu n'as pas l'argent. Elle a dit, moi, je n'ai jamais vu la couleur de 1 dollar de mon mari. Mon mari l'envoie tout l'argent à sa grande sœur. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quelqu'un du quartier. Papa Sungi Sungi. Il dit, ce n'est pas possible. Il faut dire à ta grande soeur, ton mari, si tu ne sais pas, il a beaucoup d'argent. Tu ne peux même pas aller à l'hôpital public. Là. Même nous-mêmes, on ne va pas là-bas. Toi, tu as la grossesse de quelqu'un qui est aux États-Unis. C'est ça l'hôpital où toi, tu veux aller. Donc, on l'a réveillée sur la route. Elle est à Yaoundé, hein? Seule. Ses parents sont à Douala. Dans la belle famille. Elle rentre, la grande soeur commence à la gronder. Hey, non, tu étais partie en retard. Je t'avais donné l'argent depuis le matin. Pourquoi tu es partie à 11h? Tu es là, tu fais les caprices, tu tournes. La grossesse, ce n'est pas la maladie. Et tout ça. Le soir, elle dit à Georges, je suis très malade. Tu sais pas s'il téléphone. Oh, OK. Tout ça que je vous raconte, c'est en quelle année? C'est en 2011. Hein? Parce que notre maman, elle est jeune. Jusqu'à aujourd'hui, elle a 37 ans. Donc, vous-même calculez. Donc, c'est dernièrement, là, il y a les portables. Elle dit à Georges qu'elle est malade et tout ça. Oh, d'accord. Je vais t'envoyer alors l'argent. Dis à ma grande sœur de donner ces 50 dollars. Demain, tu pars voir un bon gynéco. C'est comme ça qu'on lui donne l'argent de Georges pour la première fois. Quand elle part à l'hôpital, le médecin lui dit que non, il faut faire ça. Elle rentre et dit à Georges que non, les suivis là, envoie-moi mon propre argent, Georges. J'ai déjà grandi quand même, j'ai 18 ans. Je passe sur 19 ans. Il faut que tu me responsabilises, tu me donnes mon argent. C'est comme ça que Georges lui a envoyé l'argent pour la première fois parce que la grande sœur était fâchée. Je sais pas, blablabla, elle a beaucoup parlé. Elle s'est fâchée. Que, oh, tu as fait genre, moi, je ne te donne pas l'argent.
Comme la grande sœur était mécontente, ça fait les désordres. Ça fait des désordres. La grande sœur a commencé à dire qu'elle est impolie, elle est menteuse. Elle veut raconter des choses à Georges. Elle veut faire genre, on lui avait donné l'argent pour aller dans un hôpital où elle va mourir et tout. La grande sœur a mal pris. Comme par coïncidence, à cette époque-là, il y avait un frère de Georges qui était venu. Non, c'est pas un frère, c'est lui-même Georges qui est venu quand elle était enceinte de 7 mois. Quand Georges vient, l'ambiance est très mauvaise à la maison. Et il peut le sentir que sa grande sœur, maintenant, elle est mécontente. Il décide, et elle aussi, elle insiste, de prendre sa maison. C'est comme ça que Georges dit, je vais te prendre un logement. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Commençons à chercher la maison. Il trouve la maison et tout ça. Donc, quand il trouve la maison, Georges doit retourner aux États-Unis. Il paye tout. Elle lui dit, je n'irai pas habiter seule. Elle va prendre quelqu'un pour l'aider. Georges est d'accord. Il lui a laissé l'argent, il a commandé les meubles et tout. Une petite maison à côté de chez la grande sœur. Comme ça, tu n'es pas loin. Et même si tu accouches, ta maman peut venir te voir et tout ça. Donc, il installe genre. OK. Il part, il la laisse. Elle prend une bonne. Une bonne qui a peut-être 2 ou 3 ans de moins qu'elle. Quand elle arrive là-bas, elle habite avec sa grossesse et la bonne, ça ne va pas. Mais la grande sœur a toujours un œil. Genre, je lui donne l'argent, c'est normal. Mais elles ne sont pas genre copines. Elle devient copine avec la bonne. Elle sort avec la... Elle est l'amie de la bonne. Elle a accouché. Sa maman a quitté Douala. Elle est venue l'aider avec les bébés et tout. Georges est venu voir le bébé. Quand Georges arrive, elle s'entend bien avec la bonne. La bonne, là, elle part chez la grande sœur. Elle revient. La bonne a déjà tissé d'amitié avec la grande sœur. Parce que souvent, elle va là-bas, ils sont dans les mêmes quartiers. Et puis, la grande sœur, c'est une maman. Georges voit la bonne. Georges voit l'enfant. Georges, il est d'accord avec sa vie. Elle dit à Georges qu'elle, elle veut continuer les études. Comme un papa aux États-Unis, c'est mieux que je commence l'université. Ça va m'occuper. On a une bonne. Elle était venue m'aider, j'étais malade. Maintenant, j'ai l'enfant. Elle peut garder l'enfant, moi je pars à l'école. Il a accepté. Il a dit non, il n'y a pas de souci si tu veux faire des études, mais sache que anytime, évitez de me mettre les poissons là. Hein. Soit vous mettez les cœurs, soit vous mettez les j'aime, parce que les émoticônes là, ça bloque les vidéos. Merci. Donc, c'est comme ça que Georges accepte qu'elle parte à l'université. Elle part s'inscrire en droit. Elle passe à l'université de Yaoundé en droit. Elle commence à aller là-bas. Georges est d'accord, il paye les études. C'est son mari, non? C'est son mari. Il paye les études. Son dossier est à l'ambassade. Son dossier avec l'enfant. Elle m'a dit, elle a fait dossier fiancé. Donc, il y a moyen de faire un dossier fiancé. Donc, tu vas déposer que j'ai une fiancée ici, que j'ai épousée, patati patata, avec mon enfant, pour qu'elle me rejoigne aux États-Unis. Les dossiers-là, ça prend du temps, ils doivent étudier les dossiers, mais elle, ça ne la dérangeait pas d'aller à l'école. Plus elle allait à l'école, plus la bonne est devenue la copine de la grande sœur de Georges. La bonne, là, a commencé à faire le songi-songi. Elle va prendre des histoires chez la grande sœur, elle vient lui ramener. Et on s'est dit, mais non, pourquoi me ramener les choses-là? La grande sœur, là, je la connais très bien. J'habitais chez elle. Toi, si tu pars là-bas, pars pour ton propre compte. Oh, après, elle commence à lui dire la façon que la grande sœur l'a décritique, la façon que la grande sœur l'a fait comme si. Georges, là-même, il habite aux États-Unis. Il vient une fois par an, une fois toutes les 2 ans. C'est comme si tu perds le temps dans les mariages. Tu es jeune, tu es belle. Pourquoi même tu ne prends pas quelqu'un d'autre? Et patati. C'est la bonne qui commence à la pousser. Elle, ce n'est pas son genre. D'abord, elle ne connaît pas la vie des garçons. Le garçon qu'elle connaît bien même, c'est Georges. Elle dit, moi, ce n'est pas mon genre. Et puis, le problème est que comme elle avait pitié de Jésus quand elle était petite, elle priait. Elle s'est débrouillée pour prier parce que chez eux, ils n'étaient pas chrétiens du tout. Mais en grandissant, les gens apprennent, ah, il y a des gens qui sont des catholiques, il y a des gens qui sont des témoins de Jéhovah, il y a des gens qui sont des musulmans, il y a des gens qui sont des n'importe quoi. Là. Elle savait que les gens dans la vie, ils prient. Tout le monde, quand il grandit, il rencontre la religion d'une façon ou d'une autre. Mais elle avait cette croyance-là que, bon, je reste droite. Bon, elle était mariée. Ses parents étaient trop contents qu'elle soit mariée à Georges. Elle va tromper Georges, pourquoi? Donc, elle restait là-bas. La bonne commençait à la pousser à tromper Georges. Oh,
Ça ne l'arrangeait plus. Elle a commencé à se prendre la tête avec la bonne. Un jour, elle a un cousin à elle qui vient la voir. Le cousin, quand il vient, il parle comme ça. Il y avait le cousin et la bonne. Quand le cousin parle, on va dire à 17h, la bonne aussi est sortie. Elle est partie chez la grande sœur de Georges. Maintenant, elle reste, elle commence à chercher l'appareil photo pour faire les photos envoyées à Georges. Je ne sais pas si elle faisait les photos ou bien mais sur Facebook, si elle fait comment. Cherche l'appareil photo. Cherche, elle dit, mais non. On a volé l'appareil photo. Soit c'est mon cousin qui a volé, soit c'est la bonne. Mais comme la bonne commençait à trop lui casser la tête, elle va lui dire, c'est moi ton chef. Ne parle pas chez la grande sœur, la bonne part. C'est moi ton chef, ne fais pas comme ça, la bonne part. Elle a dit, si c'est comme ça, je vais te chasser parce qu'on a volé l'appareil photo. Donc, moi, pour moi, c'est trop. Oh, toi, tu veux me chasser? Oh, je vais te chasser. Et patati et patata. C'est comme ça qu'elle décide de chasser la bonne. Quand elle chasse la bonne, elle voit seulement le lendemain, la grande sœur appelle. Toi, qui t'a permis de chasser la bonne? Elle dit, c'est ma bonne. Je vais chasser, j'ai mes raisons. Je l'ai chassée, je ne veux plus. Oh non, toi, tu ne veux pas chasser la bonne comme ça. Tu vas la chasser comme ça, qu'il y a quoi? Patati, patata. Le mari appelle. Oh, toi, tu as chassé la bonne. Oui, comme tu as chassé la bonne, tu quittes la maison, là, tu rentres habiter chez ma grande sœur. Encore? Pourquoi? Tu vas habiter chez ma grande sœur. Je ne paye plus le loyer de cette maison-là. Si tu fais la tête dure, j'arrête même de payer l'école. Le mari lui a dit de rentrer habiter chez la grande sœur. Avec la bonne, pour que la grande sœur les surveille. Comme une enfant. Elle n'avait pas le choix. Elle a quitté la maison qu'elle louait. Elle est rentrée habiter chez la grande sœur avec la bonne pour garder l'enfant parce qu'elle allait à l'université. Elle a dit que Bibi, j'avais accepté ça parce que je me suis dit, je me focalise dans mes études. Elle est rentrée chez la grande sœur. Quand elle arrive chez la grande sœur, il y a les enfants de la grande sœur, il y a son enfant. C'est comme ça que la grande sœur chasse ses domestiques, ses bonnes à elle, pour utiliser sa bonne à elle qu'elle est venue avec. Or, la bonne, c'est pour garder son enfant à elle. Ce n'est pas pour faire les ménages. Quand ils arrivent là-bas, la bonne prend beaucoup d'autorité parce qu'elle est utile à la grande sœur. La bonne lui manque le respect. La bonne. Elle galère, la grande sœur la coince. Mais elle a son argent perso. Force les études. Là, je vous dis, elle part au moins sur 3 ans. Depuis qu'on l'a épousée. Un jour, la bonne vient lui dire, ah, comme tu sors là, il faut trouver la solution pour ton enfant. Parce que moi, je me suis convenue avec ta belle-sœur, je vais travailler officiellement pour ta belle-sœur. Je ne veux plus travailler pour ton enfant. Donc, sache qu'à partir de demain, à partir de lundi là, moi, je ne garde plus ton enfant. Si tu ne t'organises pas, tu vas le trouver s'il est mort. Moi, je m'en fous. Je ne veux pas m'en occuper. À partir d'aujourd'hui, je fais les ménages chez ta grande sœur. Ah! Mais toi, si tu ne veux pas t'occuper de mon enfant, moi, j'ai des chances parce que toi, c'est moi qui t'ai amené dans ma vie. Alors que tout ça, là, c'est quoi? Le mari, quand il était venu, il était sorti avec la bonne. Et la grande sœur savait. Donc, la bonne, là, elle avait beaucoup d'autorité comme ça. Elle était proche de la grande sœur parce que son mari était sorti avec elle. Mais comme c'était une petite fille, elle ne savait pas que les bonnes là sont des filles du dehors. On l'a triquée. Quand elle a compris ça, c'était très dur pour elle. Elle a étudié comme ça jusqu'en dernière graduat. Elle a fait 3 ans de graduat. Donc, il lui restait 3 mois pour terminer son graduat quand elle a eu son visa. Elle a dit que Bibi, j'en avais déjà là, j'avais déjà serré les cœurs. J'ai dit à mon mari que je passe seulement l'examen. Il a dit, ah, les diplômes d'Afrique, là, qu'est-ce que tu vas faire avec ici? Tu viens. C'est comme ça qu'elle vient aux États-Unis. Quand elle arrive aux États-Unis, elle et la grande sœur, là, ils ne s'entendent pas. Il y a beaucoup de problèmes à cause de la bonne. C'est pour ça qu'elle a accepté de venir. La grande sœur lui parlait mal, il y a eu des disputes. La grande sœur lui a dit, tu dois me demander pardon. Elle a refusé de demander pardon. Ça veut dire que quand elle arrive aux États-Unis, elle est en conflit avec sa belle-sœur maman, qui est la grande sœur de son mari. Son mari est très en colère. Il a fait venir. Il dit, première condition, pour que moi et toi, on s'entende dans cette maison ici américaine, tu prends ton téléphone,
tu appelles ma grande sœur, tu demandes pardon pour toutes les bêtises, les colères, le manque de respect que tu lui as témoigné quand tu habitais dans sa maison. Avant que toi et moi, on s'entende, elle a dit, mais non. Ta grande sœur a abusé de moi parce que toi, tu es sorti avec la bonne. Ta grande sœur a abusé de moi parce que toi, tu lui as permis ça. Toi, tu lui as... J'ai refusé. Ça veut dire que le mariage a mal commencé. La maison dans laquelle elle arrive. Son mari, il habitait dans un très bon quartier, dans le Colorado. Son mari, là, il avait un appartement de 3 chambres. Il y avait 2 chambres. Une chambre dans laquelle il y avait un couple de Camerounais qui louait la chambre. Une deuxième chambre où il y avait un autre garçon Camerounais qui habitait là-bas. Ça y est, le monsieur, il est en colocation. Elle, elle arrive avec son enfant et 3, ils habitent dans la même chambre. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. Donc, quand elle arrive à la maison, ils sont plusieurs. Elle, elle ne sait pas parler l'anglais. Tous ces gens-là partent travailler. C'est elle qui reste la boniche. La maison est sale, sale. Elle dit qu'à bébé, sale. Que tu entends une maison sale. La fille-là qui habitait là-bas, elle s'en foutait parce qu'elle payait le loyer. C'était seulement leur chambre qui était propre. La douche, tu ne peux pas te laver. La cuisine, laisse tomber. J'ai commencé d'abord à nettoyer la maison, à ranger parce que j'avais un enfant qui touchait partout et tout ça. Elle arrange la maison. Le mari est hautain, hautain, imbu de lui-même. C'est lui qui l'a fait venir aux États-Unis. Quand tu arrives avec le visa fiancé, comme elle m'a dit, au Cameroun, on te donne un visa de 3 mois. Tu as 3 mois pour aller avec ton mari vous marier aux États-Unis. Mais avant d'avoir ce visa-là, on l'avait amené à l'ambassade. On a fait les prélèvements sanguins de son enfant, test ADN, pour savoir si c'est vraiment l'enfant de ces messieurs-là. Parce que les gens utilisent ça parfois pour voyager. Donc, vous devez prouver que vous êtes des vrais fiancés. Et en plus, elle habitait dans la belle famille. Tout ça aussi, ça faisait le poids. Donc, quand elle arrive, elle doit aller se marier avec lui. C'est même lui qui lui foutait la pression pour aller se marier. Mais elle, déjà, quand elle est arrivée, l'accueil là était tellement médiocre qu'elle avait aussitôt arrivé, aussitôt envie de partir. OK. Elle arrive là-bas, ils vont se marier. À moins d'un mois, ils se sont mariés aux États-Unis pour qu'elle devienne Madame George. Quand maintenant elle devient Madame George, elle ne travaille pas. Elle doit faire les cours d'anglais et tout ça. Le mari fait les jobs. Elle lui dit, chérie, pourquoi tu fais les jobs? Parce que le grand frère du mari, qui s'était arrangé pour que son mari vienne aux États-Unis, il était ingénieur. Avec une femme ingénieure comme lui, ils étaient riches. Les grands frères qu'on va appeler Eric là, Eric et sa femme, 2 ingénieurs, ils étaient riches. Mais là, elle lui demande, pourquoi ils sont riches comme ça? Oh, ce sont des ingénieurs. Elle dit, mais toi aussi, étudie. Étudie comme ça, toi aussi, tu seras quelqu'un. C'est elle qui a motivé le mari à aller faire des études. Le mari accepte. Il dit, va aller faire 4 ans d'études. Comme c'est une histoire qu'on m'a racontée au téléphone. Donc, le mari va faire les 4 ans d'études. Et on m'avait dit les études qu'il avait faites. Il faut que je vous dise ça parce que c'est important dans l'histoire. Le mari va faire des études de quoi, hein? Et... Bon, je me rappelle... Voilà, c'est ça, non? Data, les études-là qu'il a étudiées, c'est data scientist. Je ne sais pas si les Américains sont là. Ces data scientists, ce sont des gens qui, en tout cas, le travail qu'il avait trouvé après, c'est quelqu'un qui fait des statistiques. Hein? C'est pour faire des statistiques dans les grandes sociétés. C'était ça, les études que son mari est parti faire. Il faisait les data scientists, data scientists là. Donc, le mari devient étudiant. Un étudiant, il n'a pas l'argent. Donc, elle doit se battre. Elle est partie chercher le travail comme coiffeuse. Coiffeuse de débrouillez-vous. Elle part se débrouiller dans les salons de coiffure, dans les quartiers chauds, parce qu'elle m'a dit qu'ils habitaient dans un bon quartier. Elle travaille dans les downtown, là-bas où on tire les balles. Elle a vu les gens. Elle a dit,
devant même son salon, un jour, il voit seulement quelqu'un qui tombe à la vitre comme ça. Chut, au lieu de lui tirer dessus. Elle dit, moi, Kabibi, moi, j'ai vu ça. On a crié au salon, j'ai couché. Elle dit, j'habitais dans des quartiers comme ça. La police, on attrape les gens. Elle était obligée, elle partait coiffer là-bas pour avoir même 500 euros. Marie arrogante et arrogant, méprisant. Il ne s'entendait pas du tout. Déjà, lui, il était vieux. Parce que ce mari-là, il habitait aux États-Unis. Elle, elle habitait seule au Cameroun. Quand elle arrive là-bas, dès qu'elle veut parler comme ça, sur les locataires, les maris défendent les locataires. Dès qu'elle veut faire comme ça, elle a dit non. Moi, je ne vais pas rester ici. Comme on vient de se marier, elle avait une connaissance au Canada. Elle cause avec la fille dit, viens au Canada, c'est bien. Tu as déjà ton enfant. Viens au Canada, tu le fuis. Elle commence à faire les économies. Son argent de coiffure, là. Si on la paye 100 euros, elle va manger 10 euros, elle garde 90 euros. Elle a bloqué l'argent comme ça jusqu'à 4 000 $. Il lui fallait 5 000 pour partir avec l'enfant. La personne qui devait la faire passer des États-Unis au Canada. Donc, le business, c'est 5 000 $, elle traversait. Donc, il lui reste un petit 1 000 $. Le mari, là, ça ne va pas. Il ne se touche pas. Ils font des trois d'air. Elle dit, elle dit, donc, un gars, il te prend de haut toute la journée. Il est arrogant, il est méchant. Tout, il dit à sa famille. Toi, tu es comme un enfant qui est venu dans sa vie. Et tout ça, il t'insulte, il te méprise toute la journée. Allez, le soir, allez, écarte-toi là-bas. Elle dit, c'est comme ça qu'il m'est traité. Et elle se dit, quand tu dis ça en Afrique, comment va te dire quoi? Reste seulement là-bas. Le mari, il y a beaucoup d'argent comme ça. Tu arrives, tu commences à compliquer, tu compliques quoi? Donne-lui seulement. Elle galérait tellement qu'elle cherchait son argent pour fuir au Canada. Un jour, il y a une fête de baptême des Camerounais que son mari connaît. Donc, il lui dit, ne pars pas au salon de coiffure, on a la fête hein, vendredi. C'était vendredi. C'était une fête, c'est vendredi ou samedi là. On a la fête. On est invité. Elle dit, tellement qu'elle cherchait son argent pour aller au Canada. Elle a dit, je n'ai pas pointé même un peu. Hein? Je n'ai pas coiffé même un peu d'argent. Je crois qu'on l'a payé par commission. Je n'ai pas coiffé même un peu. J'ai fait entrer même un petit 50 $ aujourd'hui. Elle lui dit que non, elle va aller coiffer. Je viendrai, je vais faire vite. La fête, pendant que c'était à 14h ou à 15h, qu'elle devait partir. Elle est partie, le temps qu'elle coiffe là-bas. Le mari commence à dire, mais Dieu, elle dit, bon, je termine seulement la tête, la coiffure que j'ai ici, j'arrive. Le mari s'est fâché. Le mari est parti à la fête, il l'a laissé. Maintenant, la fête là, c'était loin. Quand elle arrive, c'est à 15h, comme ça, le mari est déjà parti. Ah, elle est restée. Le mari est parti, fêter tout seul. Quand il revient à 2h du matin, là, les querelles, il a tapé. Parce que tu vois, vous allez de mépris, en tout ça. Le mari l'a tapé. Ah! Le mari l'a tapé, elle s'est fâchée. Elle a pleuré la nuit là-bas, elle a laissé tomber. Elle a dit, je me focalise sur ma mission. De fuir, il va voir. Donc, le matin là, elle a fait quoi? Elle s'est réveillée. Pour punir le mari, elle lui a pris les clés de la voiture. Les clés de la voiture du mari. Elle a dit, je sors avec. Il va galérer aujourd'hui. Elle est partie avec au travail. Quand elle arrive là-bas, le mari se réveille. Toi, où sont mes clés? Laisse-moi tranquille. Il sait que c'est elle qui a caché ses clés. Le mari fait quoi? Commence à chercher les clés de la voiture. Cherche. Pas, il tombe sur les sacs d'argent. L'argent, elle est cachée dans ses habits. Elle vient du Cameroun. Vous croyez qu'elle va cacher l'argent? La maison est en colocation. Tu ne peux pas cacher dans la cuisine ou dans les casseroles. Les colocataires vont trouver. Donc, elle cachait ses habits. L'argent dans ses habits, elle permet ça dans les petits sacs. Cache bien dans ses habits. Le mari a trouvé les sacs. Le mari ouvre comme ça. 4 000 $. Il a dit, hein? Je vis avec une sorcière. Le mari a pris les 4 000 $. Il a mis dans sa poche. Il a dit, l'enfant, il s'est fait jouer avec moi. Il a pris 2 valises, il l'a ouvert. Il a pris tous les habits de Josiane. Il l'a mis dans la valise. Il a dit, elle va jouer avec moi. Elle a permis ses habits. Il a appelé son ami. Tu es où, mon frère? Viens, j'ai amené une sorcière du Cameroun ici. Je vais lui montrer de quel bois je m'échauffe. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît.
Donc, le mari, là, son ami vient le chercher. Ils prennent les valises, ils mettent dans la voiture. Ils roulent jusqu'au travail de Josiane. Quand ils arrivent là-bas, Josiane hein, ne sait pas qu'on vient lui laisser les habits au travail, dans les quartiers chauds. Josiane aussi, comme elle sait qu'il y a des problèmes à la maison, elle a dit, je termine un peu tôt. Je rentre gérer le gars là. Josiane a quitté le travail. Josiane est rentrée à la maison. Quand ils arrivent au salon, ils appellent la madame de Josiane. Elle est où ta travailleuse là? Elle est déjà partie. Elle est partie comment? Oh, elle est partie à la maison. Elle nous a dit qu'elle rentrait à la maison. Ah bon? Maintenant, ils ont les valises dans la voiture. Ça l'énerve. Quand elle arrive à la maison, elle ne trouve pas le mari. Elle entre dans la chambre. Et ils habitent que dans une seule chambre. Elle va les chercher ou que dans la chambre. Aïe! Tous les habits sont déjà partis. Oh, Seigneur Jésus, mon argent. Elle prend les téléphones. Tu es où? Je suis où? Attends, j'arrive. Toi, Koutou. Attends-moi, c'est moi au salon. Il arrive, son ami les dépose. Il monte avec les valises tout seul. L'ami part. Quand il monte avec les valises, il laisse toi. Toi, tu es venu en mission dans ma vie. Toi, tu es venu ici pour me détruire. 911. Allô, la police. J'ai une fille ici qui me cherche des problèmes. Elle est là, elle est dangereuse. Ça, c'est après dispute, hein? Parce que quand ils sont venus, elle lui a dit, donne-moi mon argent. Elle a dit, je n'ai rien à te donner. J'étais sortie du Cameroun. J'étais amenée ici avec ton enfant. Je t'ai donné les papiers. Toi, tu t'es permis de garder 4 000 $. C'est pour faire quoi? Toi, tu as 4 000 $ dans cette maison. C'est mon argent, je t'ai amené du Cameroun. Ils ont commencé des discussions. Lui, il a appelé la police. Appelle la police. Ils arrivent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont dans un bon quartier. C'est la maison où il y a colocation, mais ils sont dans un bon quartier. Oui, le mari commence. Je suis en insécurité. Je suis en danger. Cette fille ici, je suis allée la chercher au Cameroun. C'est ma femme que j'ai épousée. Elle est en train de vouloir me fuir avec l'enfant. Elle est en train de vouloir s'échapper avec l'enfant. Après, vous allez me traiter de passeur. Elle m'accuse de violence. Elle veut organiser sa fuite. Hein? Donc, le mari a tourné l'histoire comme si elle veut organiser sa fuite pour le mettre lui dans les problèmes. Alors, comme lui ne veut pas des problèmes, il préfère les prévenir pour qu'on la fasse sans mettre, on la sorte parce qu'elle est mal intentionnée, elle veut fuir avec l'enfant. Pendant que lui, il a tapé hier, hein, quand il était ivre. Il a compliqué, lui, il savait parler l'anglais. Très, très bien. Elle aussi, elle parlait parce qu'elle travaillait en downtown là-bas, mais le mari avait une vitesse de garçon à des États-Unis. Complication, pour que ces gens-là comprennent que c'est elle la fautive. Et ça l'a dépassé tellement qu'elle disait que c'est faux. C'est lui qui m'a tapé même hier et tout ça. Oh, madame, si on t'avait tapé, pourquoi tu ne nous avais pas appelé? Oh, tout ça. Elle s'est expliquée comme elle pouvait. C'est comme ça qu'un policier l'a appelé dehors. Viens avec moi. Il appelle dehors, il dit, dis-moi la vérité. C'est comme ça qu'elle dit au monsieur là qu'il est là. Il est beaucoup plus âgé que moi. C'est ma famille qui me l'a fait marier. Mais je ne peux pas dire que je ne voulais pas parce que j'ai accepté de venir ici. Mais la vérité est que, regardez comment on vit. On est en colocation. Je n'ai rien à dire. Il a pris mes 4 000 $. Le policier lui a dit, mais nous, on ne peut pas prouver qu'il a pris ça. Et puis, s'il ne reconnaît pas, il n'y a pas de preuves. Ce n'était pas à la banque. Comment nous on saura, c'est 3 000, c'est 2 000, c'est 4 000. Donc ça là, oublie seulement. Il ne va pas te donner. Mais moi, je vais te dire, en tant que quelqu'un qui connaît ce métier, il est mal intentionné. Parce que tout ce qu'il nous a dit, c'est pour t'arracher les papiers. Parce que comme tu es là, tu dépends de lui. C'est ça en fait le message qu'il essaie de nous lancer. Mais nous, on a compris que par rapport à sa corpulence, le mec il fait 1,84 m, elle fait 1,10 m. Et je vous ai dit, elle a l'air petite. Ce sont les, chez nous, on va dire comme une Mukongo. Hein? Elle ne grandit pas trop. Donc, quand tu les regardes, tu vois un vieux monsieur comme ça avec une petite fille qui est en train de lui mettre toutes les charges sur la tête. C'est pour ça que les deux mêmes, ils l'ont isolé pour lui poser des questions. On lui a dit, on te comprend, mais son discours est que toi, tu l'as utilisé pour les papiers. Si c'est ton plan de fuir, elle dit, ça là, c'est la force de l'ordre qui me dit dehors. Si c'est ton plan de fuir, ne fuis pas. Parce que tu ne vas même pas sortir des États-Unis, arriver dehors ou faire quoi que ce soit. Si tu pars de cette maison,
Il ne va plus te renouveler, tu vas te retrouver sans papier. En tout cas, il lui a bien expliqué ça dehors. C'est lui qui l'a calmé. Il lui a dit, joue ton jeu. Si c'est vrai que tu joues ces jeux-là depuis l'Afrique, continue ton jeu, il n'est pas arrivé à la fin. Elle dit, toi, tu as vu un policier qui te dit ça. Elle est restée bouche bée. Elle a dit, ok, merci beaucoup. Ils sont rentrés, il a fait son... Ils ont dit, ils ne peuvent pas la chasser. C'est un enfant, il n'y a pas de violence, il n'y a rien, ils n'ont qu'à s'entendre. Ils sont partis. Elle est restée avec lui. Il a pris le téléphone, il a appelé partout, il a pris l'argent, l'argent. Tout le monde savait. Mais l'argent, on ne lui a jamais remis ça. Quand elle a vu ça, elle était tellement fâchée qu'elle ne lui donnait plus son corps. Ils étaient en colocation, elle dormait au salon. Elle était très fâchée pour son argent. Elle n'était même plus motivée, tellement qu'on lui avait dit qu'elle ne fuit pas et tout ça. Elle devait attendre la green card et tout. Il a commencé à se plaindre. Je l'ai fait venir. Elle dort au salon. Moi, je dors seule et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle a fait 7 mois au salon. Tension dans la maison. Sa maman l'a appelée. Sa maman a pleuré. Tu me fais la honte. Tu me fais... Georges est là. C'est le petit frère de la belle sœur. C'est comme dit. Hey! Elle dit qu'à Bibi. Je suis partie accepter tellement maman m'a parlé. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai rentré comme ça dans la chambre. MST, maca, direct. Il lui a donné l'MST. Elle est tombée malade comme ça. Elle part à l'hôpital. Non seulement elle dit qu'elle a une MST. En plus de ça, elle est enceinte. Elle a dit, j'ai eu envie de vomir la grossesse là. Je lui ai dit, viens, on va aller se traiter. Tu as une MST. Oh non, oh non, oh non. Il a nié. Quand elle est rentrée comme ça, faire des recherches, en fait, il prend les femmes de la rue, c'est quelqu'un qui prend les filles qui vendent leurs services. Oh, d'ailleurs, si j'ai une MST, c'est de ta faute. Moi, j'étais partie te chercher au Cameroun pour avoir une femme. C'est toi qui m'avais délaissée. J'étais obligée d'aller voir ailleurs. Il s'est fait soigner lui-même chez son médecin. OK. Elle est restée aussi. Ils ont continué la vie. Elle a accouché du deuxième enfant. Ils sont toujours dans l'appartement. Quand elle a accouché du deuxième enfant, tellement il est énervé, elle a décidé de faire la formation aide-soignante. Mais par contre, elle m'a dit là-bas aux États-Unis, aide-soignante, ils font ça en 1 mois, en 2 mois, un truc comme ça. Je crois que c'est ce qui équivaut à auxiliaire de vie chez nous. Bon, elle m'a dit là-bas, les aides-soignantes ne font pas beaucoup de choses que les aides-soignantes d'Europe font. Donc, les aides-soignantes n'aident pas les infirmières, c'est les infirmières qui travaillent beaucoup. Mais elle est aide-soignante. Elle a fait sa formation aide-soignante. Pour qu'elle commence à travailler dans autre chose, parce qu'elle allait travailler dans le temps là-bas au salon de coiffure. Non, ça ne l'intéressait plus. Elle avait 2 enfants. Donc, elle fait sa formation. Georges aussi, il continue les études. Elle commence à travailler. Ils sont arrivés jusqu'en 2017. Hein? En 2017. Je crois que cette maman ici est arrivée aux États-Unis en 2011. Et ouais, elle est arrivée, si ce n'est pas en 2011, c'est en 2013. Donc, en tout cas, en 2017, Georges, en 2013, j'ai fait ma formation aide-soignante. Donc, elle est arrivée en 2011. C'est en 2013 qu'elle a fait la formation aide-soignante. Elle avait déjà 2 enfants. Ça veut dire qu'elle commence à gagner quand même un bon salaire. Elle le soutient, non? C'est son mari avec qui il y a plein de hauts et de bas. Georges termine les études là, que je vous ai dit qu'il a fait data scientiste, celui scientifique. Il trouve le travail en tant que ingénieur statistique. Hein? C'est ça son travail. Il décide d'aller travailler en Floride. Ils déménagent, ils vont habiter en Floride. Ça veut dire que Georges a un très bon boulot. Il travaille pour 2 boîtes parce qu'il s'est fait indépendant directement. Donc, il est comme un auto-entrepreneur. Il travaille pour 2 grosses boîtes. Elle me dit, Georges a commencé à gagner 340 000 dollars par an. Il gagnait beaucoup d'argent. 340 000 dollars. Elle dit, le quartier dans lequel elle habitait, apparemment aux États-Unis, on peut payer pour la sécurité. Il y a des quartiers où tu peux aller habiter, vous payez 200, 500, 300 dollars pour la sécurité. Ce sont des quartiers où il y a des caméras, où il y a des choses comme ça. La police tourne là-bas tout le temps et tout. Ce sont des quartiers vraiment sécurisés. Ils habitaient dans un quartier comme ça en Floride. Quand ils arrivent là-bas, Georges refuse d'acheter une maison avec elle. Elle me dit, à l'époque là, elle avait la green card des 2 ans.
on n'avait pas encore la grande grid carte de 10 ans pour demander la nationalité. Georges refuse d'acheter la maison. Ils partent habiter dans une superbe maison de location. Tout l'argent de Georges, la tête de Georges au Cameroun. Elle dit, tu vois leur grande sœur là, chez qui j'étais partie habiter. En fait, elle vit bien. Son mari travaille, mais ce sont ses petits frères qui lui donnent l'argent. Que ce soit le médecin de l'Allemagne, que ce soit l'ingénieur des États-Unis, que ce soit Georges. Donc, elle récolte seulement l'argent de ses petits frères. C'est ça qui fait sa force au Cameroun. Maintenant, Georges, il est marié à une enfant, qui est moi, qui n'a aucun mot à lui dire. Il fait ce qu'il veut. Il a dit qu'il ne va pas acheter la maison. Moi, je suis aide-soignante. C'est lui qui est comme le chef de la maison. Je vais dire quoi? Je le suis, c'est lui le mari. On part habiter en colocation. Georges loue la maison, il achète des belles voitures et tout ça. Elle lui fait les conteneurs, il va au Cameroun. Il a fait son conteneur, il est parti au Cameroun. Quand il arrive au Cameroun là-bas, il bat ses fiancés. Il a trouvé une autre femme. Il l'aime plus. Il bat ses fiancés, elle ne lui convient pas, elle ne lui correspond pas, elle est casse-tête, elle est mal à la tête et tout ça. Il trouve une fiancée là-bas, il engrosse la fiancée. Parce que quand il passe à soi au Cameroun comme ça, il passe à soi même 2-3 mois. Il engrosse la fiancée là. La fiancée là, elle est plus âgée qu'elle, mais elle est toujours petite taille, comme elle. Il n'aime pas les femmes grandes de taille, grosses, non. Petite taille. Elle apprend tout ça là-bas. Ses parents. Bon, le problème est que Georges, il est de Yaoundé. Elle est des Douala. Mais elle apprend que Georges la trompe, il a des femmes au Cameroun et tout ça. Elle est là-bas. Elle continue son travail. En 2018, elle fait venir ses parents en vacances. Elle fait venir parce que maintenant, ils ont une grande maison et tout ça. C'est seulement les papiers de Georges là qu'elle avait mis devant. On a donné des visas à ses parents. Son papa, alcoolique et sa maman. Ils viennent la visiter. Quand il est l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Malgré que son papa n'était pas bien, elle les a fait venir aux États-Unis. Quand ils arrivent là-bas, c'est quand elle fait convertir sa maman. Parce qu'elle, tout ce que je vous raconte ici, elle a déjà trouvé une église. Elle part dans une église américaine. Elle part dans les églises américaines. Parce que comme elle n'a pas connu la religion en Afrique, en tout cas, on l'a prêché aux États-Unis, ça lui a plu. Elle est devenue sœur en Christ. C'est une sœur, la maman ici. C'est pour ça que beaucoup de choses, elle regardait Georges seulement comme ça. Donc, elle s'accroche à sa foi, elle prie pour Georges et tout ça. Quand le mariage va mal, qu'elle se fâche, elle quitte la chambre, puis on la prêche, elle rentre dans la chambre, elle continue à prier pour Georges et tout ça. Elle a prié toutes les formules de prière pour récupérer Georges. Que Georges l'aime, qu'il y ait la paix dans sa maison, on a l'argent, pourquoi on ne s'entend pas, pourquoi? Et quand maintenant sa maman vient, sa maman, elle l'amène à l'église, c'est comme ça que sa maman reçoit le Seigneur. Sa maman devient chrétienne, c'est aux États-Unis. Sa maman a compris que sa vie là d'aller bloquer, de toute façon son mari l'a tapé jusqu'à la vieillesse, il sait qu'il n'avait plus la force. Comme lui-même aussi, il avait 15 ans de plus qu'elle. Donc il a arrêté de la taper parce qu'il n'avait plus la force. Donc la maman l'a fait les fétiches de bloquer le corps pour rien toute sa vie. Elle arrive aux États-Unis, elle a trop aimé la religion. Sa maman s'est convertie. On l'a même baptisée parce que ses parents ont fait 6 mois chez elle. Et quand ils sont arrivés chez elle, ils ont compris et ils ont vu comment on l'a traitée par son mari. Il ne se gênait pas. Parce que faire semblant, tu peux faire semblant 2 jours. Mais les gens qui habitent 6 mois chez toi, ton vrai caractère va sortir. Il revient tard, il a 4 qu'il part, il parle avec sa femme qui est restée là-bas à Yaoundé, devant ses parents. Donc, mépris total. En tout cas, l'histoire s'arrête là, vous ne likez pas ma vidéo. Ce n'est pas possible quand même. Likez ma vidéo, hein? Les likes là même, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Likez la vidéo, vous écoutez seulement, vous ne voulez pas stabiliser les directs, vous ne voulez pas que Maman Kabibi sa vidéo soit aimée sur YouTube. C'est quel état d'esprit ça? Ah, la team, vous avez changé, hein? Likez ma vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ah, donc, les parents, là, ils ont compris. Son papa était indigné. Ça, c'est quel mépris. Ça, c'est quel mauvais comportement. Il ne nous voit pas. Il ne nous calcule pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les parents sont rentrés vraiment déçus. Et ils ont compris pourquoi elle voulait divorcer. Elle a déjà la carte de 10 ans. Elle a eu sa carte de 10 ans en 2019, quand ses parents sont rentrés. Elle a sa carte de 10 ans. Il y a des hauts et des bas dans le couple. Ça ne marche pas. Le mari, là, il a engrossé la fille là, au Cameroun. La fille, il a dit à la fille qu'il va la divorcer, elle. Quand elle, lui, il est venu aux États-Unis, la fille attend qu'on lui envoie les papiers de divorce pour qu'elle ne pas faire entrer à l'ambassade.
Comme ça, elle viendra. Quand il arrive, lui, il ne peut pas la divorcer. Il a épousé et puis lui, il est devenu riche. Donc, il n'y a pas les papiers. La fille a avorté. Le garçon était déçu. Elle dit, tu vois un homme qui est déçu parce qu'on l'a déçu au Cameroun. Maintenant, toi, tu vas subir quoi dans sa maison? On va aller vite. Ça, c'est en 2019. Il reste là-bas. Il rentre au Cameroun pour prouver maintenant à la fille qui a avorté. Il part aimer encore une autre fille. Quand il part aimer une autre fille, il part aimer une fille Bassa. Elle m'a dit, Bassa, c'est une ethnie très compliquée. Soit ils sont bien, soit ils sont dangereux. Elle a dit, les filles Bassa là, sont connues pour les fétiches d'une façon que tu ne peux pas croire. En plus, ce qui était grave, et que la fille Bassa là, elle s'est rendue musulmane. Elle était convertie. Musulmane. Or, chez les musulmans, mariage, c'est pris au sérieux. Tu ne viens pas jouer avec leur fille comme ça. Son mari est parti aimer une fille Bassa, jeune fille, hein, plus qu'elle. Petite fille, seulement comme il avait aimé elle. Là. Il part aimer la fille Bassa. Là. Il l'épouse. Il l'épouse carrément. Il dote. Il prend la fille, il l'installe. Quand il installe la fille tombe enceinte. Lui, il rentre. Parce que quand il part au Cameroun, il part s'asseoir. Lui, il part pas au Cameroun des deux semaines. Il part s'asseoir. Maintenant, le problème est qu'il est parti épouser la fille avec sa famille. Sa famille l'a accompagné pour aller épouser la fille. Donc, elle apprend que son mari s'est marié. Non, elle n'a pas appris comme ça. Excusez-moi. Elle n'a pas appris comme ça. Quand les maris se marient là-bas en Afrique, c'est à Yaoundé. Elle, ses parents sont à Douala, donc personne ne sait. Le mari revient, il est arrogant comme d'habitude, il répond au téléphone, il parle avec sa femme. La fille, là, commence à l'appeler, elle, pour l'insulter, la menacer. Le mari commence à lui dire que lui, il veut faire venir une autre femme qu'il va installer aux États-Unis. Il veut la faire venir d'une voie frauduleuse parce qu'il est marié avec elle. Elle lui dit, moi, je te demande de divorcer tous les jours. Comme elle avait déjà eu la carte de 10 ans, elle voulait maintenant divorcer. Moi, je te demande de divorcer. Tu as déjà trouvé ta femme. Oh non, moi, je ne veux pas divorcer à cause des taxes. Les taxes, là, le problème, c'est quoi? Ce mari ici, il est parti se marier en 2019, fin 2019, qu'il était au Cameroun. Elle m'a dit, les taxes, je crois, si j'ai bien compris, ce qu'eux, ils appellent taxes, c'est comme les impôts ici en France. Donc, quand vous déclarez vos impôts, apparemment, on leur rembourse de l'argent. Maintenant, lui, les conteneurs que lui, il a l'habitude de faire, il a déjà déclaré ça comme un business aux États-Unis. Mais il cache, non, les prix, il truque un peu. Ça veut dire qu'on leur avait remboursé 13 000 dollars. Il a pris les 13 000 dollars, là. Il est parti avec au Cameroun. C'est ça qu'il a utilisé pour épouser la fille, là. L'argent des taxes, dans lesquelles elle est là, droit, parce qu'ils sont couples. Il a épousé avec la fille, là. Maintenant, lui, par rapport à son revenu, il était déjà à sa deuxième année de travailler à 340 000 dollars par an en tant qu'ingénieur statistique dans les sociétés. Donc, la divorcer, il pouvait se retrouver qu'il va la dédommager. Il va lui donner beaucoup d'argent. Donc, lui, il ne voulait pas divorcer. Mais il voulait que sa femme du Cameroun la vienne. Comme ça, il aura des femmes. Il sera tranquille. Maintenant, elle, elle était fatiguée parce qu'on l'a trompée, on l'a méprisée. Elle voulait divorcer parce qu'elle avait aussi la carte de 10 ans. Elle a dit la vérité aussi. Quand j'ai eu ma carte de 10 ans, j'en avais déjà trop. J'ai prié, fatiguée. J'ai dit, je vais divorcer. Les maris ne veulent pas divorcer. Ah, elle entre en prière, elle demande à Dieu, « Dieu, j'ai été prié que je change le mari, il ne change pas. Maintenant que je fasse quoi? » Elle dit, « Un jour, je suis au travail, Kabibi. Je sens que Dieu me... » Elle marchait au couloir. Dieu lui dit, « Je vais dissoudre ton mariage. » Elle dit, « J'étais en train de marcher. Je sens comme ça, me dit, je vais dissoudre ton mariage. » Je dis, « Ah, enfin, Dieu m'a répondu. » Maintenant, quand le mari était revenu du Cameroun, et qu'elle, elle était fâchée, tu es partie avec les 13 000 dollars de l'argent des taxes, je ne sais pas ce que tu as fait avec. Elle ne savait pas que lui s'était marié. Elle était fâchée pour l'argent. Elle est sortie de la chambre parce que déjà, il est revenu parler avec les filles. La fille, là, l'appelait, l'insultait, lui manquait le respect. Elle a changé de chambre. Chez eux, ils ont une grande maison. Ils sont maintenant en maison. Elle a pris sa propre chambre. Elle a commencé à dormir là-bas. Elle est fâchée. Lui, il est resté dans leur chambre à coucher.
Bon, quand Dieu lui rassure que je vais dissoudre ton mariage, elle prend position. Elle dit, moi, je suis très croyante. J'ai décidé d'entrer en prière. Elle a fait 3 jours de jeûne, d'Esther, sans manger, sans boire. Mais elle travaille tellement qu'elle a mal à la tête. Le mari vit des désordres. Elle dit, Kabibi, je sors du jeûne comme ça. Un jour, hein, je sors du jeûne comme aujourd'hui, mercredi. Jeudi, elle était fatiguée. Elle n'est pas partie. Elle est partie au travail. Lui, le mari, là, il était à la maison. Au travail, ils étaient en surnombre. Il y avait des gens de trop. Donc, on demande, qui va rentrer aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de gens. On n'a pas besoin de 14 personnes. On a besoin de 12 personnes. S'il y a 2 personnes qui veulent rentrer à la maison, qui peuvent rentrer. Comme elle venait du jeûne, elle a levé la main. Elle a dit, moi, je vais rentrer à la maison. Donc, le mari, là, il sait très bien que quand elle part au travail comme ça, elle viendra que le lendemain. Parce qu'elle avait pris un travail de nuit, tellement qu'ils ne s'entendaient pas. Et son mari, il dormait dans la chambre à coucher, dans leur chambre à eux. Elle avait déjà déménagé. Quand elle rentre le matin, elle dort dans sa chambre à elle. Donc, elle rentre à la maison. Quand elle rentre à la maison, le mari est en train de dormir. Elle part, elle regarde, elle voit qu'il dort. Mais tellement qu'elle n'entre plus dans la vraie chambre à coucher, parce que c'est la chambre du mari, ça veut dire qu'elle ne calcule pas. Elle entend comme une voix qui lui dit, va dans la chambre, prends le téléphone. Elle a hésité, elle a dit non. Je viens des jeunes. Elle part dans la chambre, elle prend le portable de son mari. Elle dit, tu vois le portable de mon mari? Même quand il est à la cuisine, tu ne peux rien faire avec parce qu'il ouvre ça avec, vous voyez les portables qu'on ouvre avec les visages là. Reconnaissance faciale. Elle prend les portables. Qu'est-ce que je fais avec les portables? Elle dit, Kabibi, Dieu parle. Je prends les portables, je regarde comme ça. Le portable n'est pas verrouillé parce qu'il était sur Facebook. Il s'est endormi. Sur Facebook là, elle dit, tu vois les vidéos là, que tu as regardé une vidéo sur Facebook. Après, la vidéo change, ça te propose une autre. Ces vidéos-là, ça peut passer contre jusqu'à 40 000 vidéos. Ça ne va pas s'arrêter si tu n'arrêtes pas. Donc, son mari avait regardé une vidéo, il a dormi, il a laissé. Les vidéos ont continué à passer, donc des téléphones. Elle dit, imagine, je fais 1m10, il fait 1m84. S'il m'avait attrapé avec son téléphone, et je venais du jeûne, je n'avais même pas la force. J'ai pris les portables, comme je suis sortie, je suis partie avec dans ma chambre. Je rentre dans les téléphones. Je pars directement dans WhatsApp. Parce que moi, on m'insulte en Afrique. Je ne sais pas qui m'insulte. On m'insulte avec le numéro de cabine. La personne change le numéro tous les jours. Donc, elle t'insulte quand elle a envie. Toi, tu ne peux pas l'insulter en retour. Est-ce que tu peux t'imaginer une pression comme ça? Donc, quand j'entre, je pars directement chercher dans WhatsApp. C'est qui m'insulte? Elle dit, maman, j'entre dans WhatsApp. Je tombe sur le numéro de la fille là, tu sais, Yasmine. Elle tombe sur le numéro de Yasmine quand elle clique comme ça, mariage. C'est comme ça qu'elle a appris que son mari est marié. Elle dit, hein? Mariage, la famille, mariage. Elle a déjà commencé à cliquer, vidéo, photo, tout, je m'envoie. J'ai fait des captures d'écran. Elle a dit, quand Dieu veut faire quelque chose, maman. Elle a fait 2 heures avec le téléphone, le mari. Chaos. Elle savait que là, si on m'a attrapé, c'est ma mort. Elle a dit, j'ai fait 2 heures avec son portable. J'ai contrôlé, patrouillé, je me suis envoyé. J'ai terminé. Je suis rentrée, j'ai reposé le portable, Kabibi, le mari, syncope. Le mari ne savait pas. Je suis même rentrée, j'ai eu le temps de regarder les vidéos, regarder les photos, mon cœur. J'ai dit, Seigneur, la petite fille comme ça, maigre fille, seulement comme il m'avait aimé là, comme un pédophile. J'ai dit, donc mon mari, c'est ça les femmes là qui m'insultent, ce sont les enfants comme ça. Elle l'a envoyé à ses copines, elle l'a envoyé à sa mère, elle l'a envoyé tellement qu'elle était dépassée. Vraiment, aimez la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup maman Adeline Estelle, merci. Tellement qu'elle était dépassée. Hey. Ah vraiment, aujourd'hui vraiment c'est lourd les likes là. Du coup, le mari ne sait pas. Jusqu'au matin, le mari ne s'est pas rendu compte. Maintenant, elle était contente parce qu'elle a eu des arguments pour divorcer. Elle voulait divorcer, lui ne voulait pas pour ses intérêts de l'argent, pour qu'il ne la dédommage pas. Elle a eu des trucs.
Elle attendit un jour. Le mari ne dit rien. Elle dit, hey, donc il ne sait vraiment pas. Le deuxième jour, elle m'a dit, elle est partie voir les qui? Les gens là qu'on voit pour divorcer. C'est le cancer là, c'est ce qui là qu'elle est partie voir. Elle est partie les voir pour leur dire qu'elle elle veut divorcer. Elle a les preuves, son mari. La trompe, il s'est marié en Afrique. Maman, photo des mariages qu'il ne peut pas nier. Donc, elle lui demande, Yasmine, c'est qui? Yasmine, elle a fait quoi? Parce qu'elle disait toujours que tes putes ça m'appelle. Elle ne connaissait pas leur nom. Elle, une fille t'appelle et t'insulte, elle ne te dit pas son nom. Oh, ces filles-là m'appellent, ces filles-là m'appellent. Quand elle lui a appelé par son nom, Yasmine, c'est qui? Yasmine, qui t'a parlé de Yasmine? Qui est, elle a dit non. Je connais Yasmine maintenant. Je sais qui est Yasmine et tout ça. Attends, elle prend son portable. Elle lui envoie sa photo de mariage avec Yasmine. Le mari, il était grand comme ça. Il a failli s'écrouler. Qui t'a envoyé ça? Tu communiques avec qui dans ma famille? Son idée à lui est partie que c'est dans sa famille à lui qu'on lui a envoyé les photos alors que c'est elle-même qui a pris. Elle a dit, hé, donc il ne sait vraiment pas. Elle a dit, je sais maintenant qui est Yasmine. Ne t'inquiète pas. J'ai toutes les photos. Non seulement moi je les ai, ma mère les a, elle les a. Elle a dit que tout le monde, elle a cité les gens qui avaient parce qu'ils étaient eux deux dans la maison, elle avait peur. Elle a dit, maman, c'est les États-Unis, il va te donner double patte, là, il t'étouffe, basta, l'histoire est finie. Il va croire que les gens ne savent pas. Je lui ai dit, tu vois ces photos? Hier, j'étais partie voir les gens là pour les divorces et tout, et tout, et tout. Le mari restait, oh non, moi je ne veux pas te divorcer, moi comme ci, moi comme ça, moi. Il a nié. Il fait un tour et puis vient lui dire, en fait, toi, tu veux briser ma vie. Tu veux me détruire. Toi, je t'ai amené du Cameroun. Elle dit, maman Kabibi, mon mari là, tout ce qu'il me faisait, je t'ai dit que moi, j'ai commencé à prier, que j'ai eu l'occasion d'aller à l'église à l'aise, c'était aux États-Unis. Quand j'étais chez sa grande sœur, j'allais à l'église de temps en temps parce que j'étais colonisée là-bas. Mais aux États-Unis, j'allais à l'église. Donc, on m'avait tellement déjà prêché que tout ce que cet homme ici me faisait, Dieu me voit, je ne lui ai jamais appelé la police. Jamais. Jamais je me retenais. Quand j'explosais, on s'est disputé, mais je ne l'insultais pas. Parce qu'à chaque fois, il me disait, je t'ai amené aux États-Unis. Je t'ai donné les papiers. Elle dit, parce que tu vois, au début, j'ai prié pour lui pour qu'il change. Donc, comment tu peux prier pour quelqu'un en même temps que tu l'insultes? Il lui a dit, toi, tu veux détruire ma vie. Je vais te tuer. Je vais finir avec toi. Son mari lui a dit ça dans la maison. Le même jour là qu'elle lui a dit qu'elle a déjà pris rendez-vous. Elle a eu peur. Là, c'est 2020 qui a commencé. Tu vas voir ce que je vais te faire. C'est ça ton plan. Tu veux utiliser ça contre moi. Non seulement je t'ai amené aux États-Unis, je t'ai donné les papiers. Maintenant, toi, tu veux utiliser ça pour me divorcer, pour que moi, je te paye. Moi, je suis allée à l'école pour toi. Moi, je travaille pour toi. Toi, je vais finir avec toi ici. Elle dit, maman, qu'habille-toi 1m10. Tu regardes un monsieur de 1m84 dans une grande maison en Floride qui te regarde en face, te dit ça. J'ai commencé à trembler. Elle est partie au travail. Le lendemain, le mari est sorti, l'a bloqué. Elle dit, tu descends de la voiture comme ça. Pas, le mari te bloque. Il m'a regardé. Donc, il a regardé, il a tenu comme ça. Il dit, je vais te tuer, toi, tu vas voir. Je vais finir avec toi. Et elle a vu que ça, c'est du sérieux. Elle a commencé à trembler. Elle est rentrée dans la maison parce qu'elle, elle travaille la nuit. Elle dort au travail. Elle est rentrée. Donc, le matin, le mari lui a dit ça. Elle a dit, je n'ai pas dormi, Kabibi. J'ai pris tous mes papiers importants, mes histoires importantes. Je suis partie à la banque. J'ai ouvert un coffre à la banque pour aller garder mes identités, les identités des enfants et tout ça. Parce que j'étais consciente qu'on est aux États-Unis. Quelqu'un qui t'a dit ça deux fois. Il m'a dit ça la veille. Il a dormi, il a réfléchi toute la nuit. Il m'a dit ça encore le dans quoi je me suis mise. J'ai comme ça dit que je fuis la maison, que je fasse comment. La tête a chauffé. Elle laisse tous ses papiers à la banque. Elle appelle l'avocat. Elle dit que non, 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 chez moi, ça chauffait et tout, et tout, et tout. Quand ça chauffe, là, maman, coronavirus arrive, hein, bah! Il n'y a pas moyen de divorcer. Les États-Unis, tout le monde assis par terre, les bureaux fermés. Ça veut dire que ça dose la température à la maison.
Ils sont tous les deux dans la maison. Lui aussi, il sait qu'elle ne peut plus faire des démarches. Elle passe seulement au travail, limite. Lui, il ouvre son bureau officiellement dans la maison. Comme ils ont une très grande maison, il prend une chambre, il fait ça son bureau, il ne peut plus sortir. Donc, le mari travaille à la maison. Tout mouvement, il regarde. Tout ce que tu causes au téléphone, il écoute. Enregistreur, caméra dans la maison, mal à l'aise. Divorce, moi maintenant, je vais voir. Elle a laissé tomber. De toute façon, les avocats ne pouvaient plus les voir, elle ne pouvait plus faire les démarches. Corona, tout 2020. Le mari, pendant l'année 2020, il a quand même su, c'était en 2020, non, ce n'était pas en 2020, la fille là, musulmane là, la Bassa, qu'il avait accouchée, finalement sa grossesse est sortie. Elle n'a pas eu d'enfant. Pendant qu'ils sont en train de se bagarrer là, d'abord ça l'a énervé, sa grossesse est sortie. Maintenant il y a le corona, il doit rester avec toi-même qui l'énerve et tout. Donc il continue. Ils sont restés, ils ont traversé presque tout 2020. La pression a fait un peu comme doser. Elle n'a pas laissé tomber, mais elle ne faisait plus les démarches et puis il savait. Tout ça, ils sont en séparation des chambres. Hein? Maintenant, vous vivez comme ça, à quoi sert le mariage? Tu vis sous pression, sous stress. OK. 2021 commence seulement comme ça. Le mari, là, en janvier, elle tombe malade. Elle tombe malade. Elle avait... Non, j'ai mal expliqué. C'est ça le choix quand tu prends en direct. En 2021, quand on déconfine, le mari prend l'avion, il part au Cameroun avec un conteneur. Il donne à la fille là. Il achète la voiture à la fille. La fille là qui l'attendait, non? La fille Bassa. Ils font les fétiches avec la fille Bassa pour l'exterminer. Il rentre avec ses fétiches. Elle dit, Kabibi, j'étais comme ça à la maison, les mariés au Cameroun. Bon, je me dis, peut-être toute l'année de 2020, peut-être qu'il a oublié la fille là, peut-être que ça ne marche plus, peut-être. Alors qu'il est parti avec le conteneur pour elle, ils ont fait leur fétiche là-bas pour maintenant me prendre mystiquement. Parce que lui, il ne veut pas divorcer. Et il sait que comme le confinement est terminé, je vais recommencer ma procédure. Elle dit, je suis à la maison comme ça, maman, je vois comme un serpent, bah! Comme une image, un serpent rouge. Je dis, ah, un serpent, c'est quoi ça comme vision? Après, je laisse, ça passe. Je dis, non, je dois entrer en prière. J'attaque directement Jeanne d'Esther. Je commence à prier. Le mari au Cameroun, c'est comme si, d'abord quand il part, il ne te dit pas quand est-ce qu'il va venir. Est-ce que toi tu es sa femme? Est-ce que toi, tu es quoi pour qu'on te dise les jours que lui viendra? Elle dit, j'entre en jeûne comme ça, je suis en priant, maman. Alors que le mari, là, il devait venir, c'est le lendemain. Donc, elle entre en prière lundi. Mardi soir, le mari arrive du Cameroun. Elle dit, maman, Dieu existe. Tu sais que le mari, là, il est arrivé avec ses valises. Lui-même, il a jeté ses fétiches dehors. Alors, elle ne sait pas si ces fétiches-là, il devait jeter ça dehors de la maison. Où il devait ramener dans la maison. Elle ne sait pas. Le mari est venu là jeter ses fétiches dehors. Elle est en prière. Comme ils ne se calculent pas, ils ne sont pas messieurs, madame. Elle a continué son jeûne. Lui, il ne s'est même pas rendu compte. Les fétiches du mari n'ont pas marché. En fait, le serpent là, c'est ses fétiches, il est parti faire avec la fille Bassa. Et que la fille, quand elle a vu que ses fétiches n'ont pas marché, elle lui a dit qu'elle est sorcière. Elle, la maman ici, elle est sorcière. Elle a bloqué leur fétiche. Ça veut dire qu'elle a des mauvaises intentions de quand même le divorcer pour le mettre dans des problèmes. Donc, le mari encore a pris ça. Le mari encore a pris que ses fétiches n'ont pas marché. Il est devenu colérique. C'est en 2021. Elle a fait les jeunes renoncer, fétiches, au serpent, au comment, les prières, seulement tu envoies, il va les perdre dans tous les sens, tu pries. Le mari, quand elle arrive, il est tellement énervé qu'il lui crée des problèmes. Elle dit, écoute, moi je vais relancer le dossier. Parce que notre situation n'a changé, ça fait un an. Là, je t'informe, j'ai pris rendez-vous, prenant que c'est le 1er février, elle lui dit, j'ai pris rendez-vous le 17 février avec la dame là pour aller relancer le dossier, vraiment cette fois-ci, qu'on aille seulement jusqu'au bout.
fais ta vie. Fais ta vie. En tout cas, mieux vaut qu'on se sépare maintenant, tu me donnes moins d'argent que si on se sépare dans 10 ans. Parce que c'est séparé, on va se séparer. Le mari ne dit rien. Il dit, Kabibi, j'ai dit ça seulement comme ça. Je tombe malade le lendemain. Tu viens des jeunes, tombe malade. Ah! Elle part se faire tester. On lui dit qu'elle a le coronavirus. Elle dit, en 2021, le coronavirus est déjà terminé. Donc, elle reste chez elle. Elle a rendez-vous les 17. Elle tombe malade peut-être du 1er au 5 au 6. Elle travaille quand même à l'hôpital. Elle connaît le corona. Le corona ne termine pas. Tout le monde a déjà pris le vaccin. Elle dit, ça, c'est quel genre de corona? C'est quel genre de corona? Ah, j'ai prié. Elle est championne d'entrer en prière. Elle dit, tu as déjà vu, tu es malade, mais tu fais la prière. Je n'ai pas pu faire des jeûnes d'Esther parce que je devais me soigner. Mais je suis entrée en jeûne en prière. Kabibi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle maladie. Le coronavirus d'aujourd'hui ne peut plus me faire comme ça. C'est impossible. Je suis jeune, je suis mince, je suis immunisée, j'ai pris tous les vaccins. Je ne peux pas avoir ça. Que ça va me terrasser comme ça 6 jours. Elle a commencé à prier. Retour à l'expéditeur. Si c'est une maladie mystique, patati patati, la personne qui m'envoie cette maladie, et tout, elle a commencé à renoncer à la maladie, mais pendant qu'elle a le coronavirus. Son corona est terminé. Si c'est après 9 jours, la maladie est terminée. Quand la maladie termine comme ça, qu'elle se sent bien pour aller travailler, et puis, je crois que la règle, c'était, même si tu as le corona, après 10 jours ou 9 jours, tu dois reprendre le boulot parce qu'on savait que ce corona-là n'est plus agressif. Donc, elle est obligée de reprendre le boulot. Les jours qu'elle reprend le boulot, son mari tombe malade. Bon. Scientifiquement, on va dire qu'il a contaminé. Mais elle a déjà fait 9 jours avec le corona dans la maison. C'était contagieux au début. Elle n'a pas contaminé. Mais le corona vient l'attraper quand la maladie est finie. On ne sait pas. Soyons cool, c'est le corona. Le mari aussi tombe malade. Les jours, il tombe malade les 10. Il attrape sa part de corona. OK. Elle reprend le boulot. Elle part au travail et tout ça, protéger, masque et tout ça. Elle travaille la nuit, elle revient le matin. Un jour, 2 jours, 3 jours, le mari est malade. Ça veut dire que lui aussi se soigne à la maison, il travaille à la maison. Il n'y a pas de souci sur le coronavirus. Elle, le mari et elle savent qu'ils ont rendez-vous les 17. Maintenant, on va dire les 15. Elle a la flemme d'aller au boulot. Comme elle travaille le soir, elle m'a dit qu'elle travaille de 19h à 7h du matin. Le 16, pardon, ce n'est pas les 15, le 16. Elle a la flemme. Elle dit, ah, moi-même là, j'étais malade. Si je les appelle, je leur dis, je ne me sens pas bien. Ils vont comprendre parce que tout le monde sait que mon mari a le coronavirus à la maison. Donc, on peut dire qu'il m'a recontaminé. Donc, c'est une bonne... Tu peux te justifier comme ça pour ne pas aller travailler. Et dit Kabibi, je suis restée à la maison jusqu'à 18h50. Je dis, je ne vais pas travailler. J'ai senti comme, piou, lève-toi, va travailler. Et je dis, mais je vais arriver en retard. Elle est partie, elle le fait vite. Elle s'est habillée, elle a pris au travail. Je suis en retard, j'arrive. Pourtant, elle ne voulait pas aller travailler. Elle dit, maman, j'arrive au travail comme ça, je ne suis pas malade. Je travaille toute la nuit. Je rentre chez moi le 17. J'ai rendez-vous le 17 à 15h avec la dame là, avec qui on va faire les papiers de divorce. Donc, j'ai le temps de dormir le matin. Elle arrive le matin, elle prête les enfants comme elle fait d'habitude. Son mari, là, il met l'alarme à 8h30. Donc, elle est arrivée dans la maison depuis 7h. Elle a bu son café, elle va réveiller ses enfants et tout ça. Mamie. L'alarme du mari commence à sonner. Pam. Vous voyez comme les alarmes, là, relancent. Après 2 minutes, après 3 minutes, puis ça commence à sonner. Pam. Ça a dérangé la maison. Elle dit, mais... Lui-même là, son alarme, il ne va pas se réveiller. L'alarme a tellement sonné, dit maman, l'alarme va sonner 25 minutes. C'est comme ça qu'elle part, elle ouvre la porte. Elle dit, tu ne vas pas couper ton alarme là, tu n'entends pas. Georges, l'alarme sonne, non? Elle ferme la porte. Elle revient comme, Georges, coupe ton alarme. Elle est rentrée, elle a pris l'alarme, elle a coupé. Georges, Georges est déjà mort.
Elle travaille à l'hôpital. Directement, elle a compris qu'il était mort. Elle dit quoi? Le gars ici est mort. Georges! Elle dit Kabibi, il est mort. Il est mort le jour du rendez-vous. Elle a poussé un cri. Elle a couru au salon. Elle dit, imagine, j'avais mon portable. Il y avait son portable et je suis partie chercher les fixes. Tellement j'étais dépassée. Il dit, tu vois, on est habitué à voir les morts au travail. Maintenant, la personne qui est morte, c'est ton mari. J'ai crié, j'ai appelé, allô, je suis mon mari. J'ai commencé à crier, madame, calmez-vous, c'est quoi? Oh, mon mari ne se réveille pas, il est mort, madame, il est mort. J'ai tout expliqué au téléphone que moi, je travaille à l'hôpital, je sais, madame, il est mort. On a dit, calmez-vous. Madame, prenez-le, mettez-le par terre, parce que j'avais dit qu'il est sur les lits. Mettez-le par terre, essayez de lui faire massage cardiaque. Elle a dit, je ne peux pas. Il fait 1m84, moi je fais 1m10, je pèse 60 kilos. Comment je vais le porter? Je ne peux pas le porter. Attendez, alors je vais chercher le voisin. Elle a jeté le téléphone, elle a couru chez le voisin. Le temps qu'elle part chez le voisin, les gens là sont arrivés. Comme ils sont dans un quartier résidentiel. Ils l'ont trouvé paniqué, chercher le voisin. On a dit, non, ne touche pas. On entre dans la maison. Elle a dit, j'ai fait du travail, l'alarme est sonnée, c'est moi qui ai coupé l'alarme, et tout. Calme-toi, on l'a mise à côté. On a trouvé, ils sont récemment constatés, photographié toute la maison. Oh, chez toi, il y a les caméras, chez moi, il y a les caméras. C'est lui-même qui avait mis les caméras. Donc, on peut entendre tout ce qui s'était passé. Elle a dit, déjà, je n'avais pas dormi. J'arrive le matin, le mari est mort, Kabibi, j'ai tremblé comme ça. Où sont les enfants? Oh, les enfants sont en train de partir à l'école. Ok, calme-toi. On a pris les maris, on est parti avec. On l'a prise. Directement, on t'amène pour te poser les premières questions là que tu n'es pas préparé à mentir. C'est comme ça qu'elle explique. Elle travaille la nuit. Je suis rentrée à 7 heures. Son alarme est sonnée. On ne se parle pas. On doit divorcer. Moi, regardez ma chambre. C'est cette chambre. Si lui, il dort dans cette chambre, ça fait un an et demi tout seul. Normalement, son bureau, c'est là-bas. Elle a expliqué. De toute façon, il y a les caméras. Ils vont comprendre eux-mêmes. Elle a fait sa déposition là-bas. On l'a amené. On avait. L'autopsie, quand maintenant on a dit qu'il est mort, elle a appelé les familles, elle pleurait, elle criait, elle a appelé son frère, comment il s'appelle, ingénieur, ils ont appelé en Allemagne, tout le monde alerte, ah tu l'as tué, je l'ai quoi, tu l'as tué. Elle a dit, les premiers appels, on m'a dit que je l'ai tué. C'est quand je me suis restée, j'ai dit, hein, donc c'est moi. Elle a commencé à trembler, que comment les gens ici disent que moi, je l'ai tué. Ah, on a dit, tu vas payer l'autopsie. Elle a payé 7 000 $ de son propre argent parce qu'il faisait compte séparé. Lui, il est trop riche. Il ne veut pas avec son argent. Il ne veut pas lui donner l'argent. C'est elle qui a payé l'autopsie. 7 000 $. Elle a dit, la première phrase déjà qu'on m'a dit que je l'ai tué, j'ai dit, ce type ici, on ne va pas l'enterrer sans autopsie. J'ai payé 7 000 $ sous émotion. Quand elle a payé, on lui a demandé que tu payes ça pourquoi? Ton mari ici, il est mort la veille. Donc, il est mort. Il y a 8h30, entre 8h30 et 9h, qu'il est mort. Or, dans la caméra, on l'a vu comment elle est sortie, elle est partie travailler à 19h-10. Elle n'était pas là. On a filmé le mari. C'est vrai qu'il était malade. Il avait les coronas. Ça faisait ses 5 jours, ses 6 jours. Mais il marchait dans la maison. On l'a filmé au frigo. Il est parti, il a bu son eau. Il a bu comme ça. Jusqu'à ce qu'il est entré dans sa chambre le premier tour. Elle est déjà partie depuis longtemps. La caméra a filmé comment elle est rentrée le matin, comment elle a fait son café, comment elle a réveillé ses enfants. Même à l'heure à laquelle elle est entrée, on l'a vu ressortir en courant. On l'a vu ressortir en courant, tourner, comment elle a pris les fixes. Vous voyez aussi l'avantage d'avoir les caméras dans la maison. Ça l'a justifié. On a vu comment elle appelait, elle sautait, elle tenait ses habits comme une africaine, elle criait dans tous les sens. On a vu. Même comme on lui a dit qu'elle a dit que je n'ai pas cherché les voisins, là, j'étais là, couru. Tout était filmé. Lui-même, il a filmé les preuves pour elle. Il a dit que ton mari est mort la nuit. Tu n'étais pas là. On n'a rien à te reprocher. Tu ne l'as pas tué. Il avait le coronavirus. Le mari est décédé. Les gens sont venus de l'Allemagne. On a dit qu'elle doit ramener les corps. Tu vas ramener les corps de notre frère si tu l'as tué. Donc, elle est restée. Elle a dit qu'elle a fait 3 mois pour aller au Cameroun, pour aller enterrer le mari là. Il fallait organiser et tout. C'était compliqué. Compliqué, elle dit Kabibi. Le mari est mort.
On ne l'a pas encore enterré. Les Américains, ils s'en foutent que tu sois enterré ou pas. Donc, quand ton mari meurt, il y a l'acte de décès, tu dois déclarer. C'est vous-même, les Camerounais, qui avez dit que... Non, le mari, on avait rapatrié, mais maintenant, il fallait qu'il vienne pour qu'on l'enterre. Donc, aux États-Unis, il est mort. Elle dit, imagine, il est mort. Son frère ingénieur l'appelle pour lui dire que, oh, mon frère avait une assurance. Il avait une assurance qu'il avait prise pour les enfants. Et elle, c'est sa femme. Et tout ça, l'assurance-là doit payer. Et donc, il faut que moi et toi, on ouvre un compte commun sur lequel on va virer l'argent de l'assurance de mon frère. Le mari n'est pas enterré. Le mari n'est pas enterré. Il est au Cameroun, mais il n'est pas enterré. C'est aux États-Unis, on croit qu'il est enterré. Il n'est pas enterré. Elle dit, pardon, oh, toi, tu es trop jeune. L'argent, là, prenons un exemple, c'est $1 million parce que son frère avait l'argent. Hein, l'assurance, là, va payer peut-être $1 million. Et toi, tu es trop jeune parce qu'elle avait, quand il est décédé, aujourd'hui, elle a 37 ans. 2021 aujourd'hui. Donc, elle avait 33 ans, 34 ans comme ça. Oh, toi, tu es une petite fille comme ça, de 34 ans. On va te verser beaucoup d'argent comme ça, tu ne sauras pas gérer. Moi et toi, on doit ouvrir un compte commun où on va mettre l'argent de l'assurance de notre frère. Comme ça, on va être sûr de la gestion pour les études de ses enfants. Elle a dit, papa, ton frère était vivant. On n'a jamais fait compte commun. Il a toujours refusé avec son argent. Maintenant qu'il est décédé, moi, qu'on devait divorcer, je vais ouvrir compte commun avec les frères de mon mari pour recevoir l'argent de l'assurance parce que je suis mineure. Non, parce que je suis toute petite comme ça. Mais vous, vous avez votre femme que vous avez épousée au Cameroun, votre femme Bassa, c'est elle qui va enterrer votre frère. Qu'est-ce qu'il y a avec l'argent de l'assurance? Les problèmes de l'argent de l'assurance a commencé, elle est aux États-Unis. On lui a dit, tu dois rentrer ici au Cameroun. On doit te faire des rituels sur les corps. Toi, tu es notre enfant. Elle a dit, hein, tu sais, malgré tout ce qui me faisait, tu sais que j'ai pleuré mon mari. Je l'ai pleuré par émotion. Je l'ai pleuré. Elle dit, tout le temps là que lui est au Cameroun, on ne l'a pas enterré. Aux États-Unis, j'ai pleuré. Comme j'ai senti un vide dans la maison parce qu'on était dans notre maison. Tu vois, si vous vous séparez, tu pars. C'est différent que la personne meurt. J'ai pleuré, j'étais émotionnée. Elle dit, c'est comme si on m'enlevait un fardeau. Tu vois, quand il est mort là, les jours que je suis rentrée à la maison, qu'il était mort, j'étais stressée, mais j'étais soulagée. J'étais déchargée en fait, c'est ça le mot. J'étais déchargée. C'est comme si on t'enlevait un truc sur le corps, un poids que tu portais. Et maintenant, tu as la frayeur, tu as l'émotion, tu as la réalisation. Tu te rends compte qu'il est mort. Donc, tu t'attendais à tout, sauf à mourir, quoi. Tu t'attendais à la guerre, de l'argent, je ne peux pas te payer, donne-moi les enfants. Tu vois, dans ta tête, tu es préparé à la lutte comme ça. Mais tu n'es pas préparé à être veuve. Elle dit, je l'ai pleuré. Hein. J'étais dans la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me disais, cet homme ici, même, il est même mort, pourquoi? Il est même bête. Lui-même, là, j'ai prié pour lui qu'on soit seulement un couple normal. Pourquoi? Vraiment, ça l'a dépassé, ça l'a dépassé. Les familles de Bassa, là, ont dit que c'est une sorcière. Et ils avaient fait que la séparation, elle est partie lui faire les retours. C'est comme ça qu'elle a connu l'histoire du serpent. Le serpent dans les fétiches qu'il était venu jeter. C'est quand il est mort que la famille Bassa a beaucoup parlé. Ils ont dit dans sa famille à lui qu'ils avaient fait des fétiches pour elle. Elle leur a fait les retours. Les retours à attraper son mari. Il a dit, maman. Donc, les types, ils avaient voisin avec les fétiches. Pour moi, je lui ai fait quoi? J'ai demandé qu'elle de partir. L'argent qu'il allait me payer, c'est combien? Elle dit, Kabibi, tu sais que l'argent qu'il allait me payer, si on avait divorcé, c'est les un quart de ce que l'assurance m'a donné. L'argent qu'il allait me payer, s'il me laissait partir, je ne demandais que de partir depuis 2018. Dès que j'avais eu ma carte de 10 ans, j'ai demandé à partir. Il m'a coincé jusqu'en 2021 pour que je porte toute l'assurance qu'il avait pris pour moi et les enfants. Elle est partie au Cameroun. Elle a un cousin qui est garde du corps, qui fait les choses de garde du corps. Elle payait 4 gardes du corps, $100, $100, $400 par jour pour qu'on la garde. Sa vie était en insécurité au Cameroun. Ils ont dit que tu as tué notre fils. Tu vas voir. Elle dit, maman, tu vois, tu as mal. Les gens peuvent te traumatiser. Tu as mal au cœur. Tu as perdu le papa de tes enfants. Tu vois, il était d'abord même grand de taille, imposant. Donc, il était imposant dans mon esprit. Maintenant,
je me retrouve seule avec les enfants en vrai. Avec son frère qui est ingénieur, qui est aux États-Unis, qui est méchant. Lui et sa femme, ils sont complices, ils sont des sorciers. Comme elle m'a dit, ils sont des sorciers. Lui et sa femme, là, qui ont l'argent, ils sont très méchants. Ils avaient déjà compris que je faisais de l'argent de l'assurance. Ils ont dressé toute la famille en Afrique contre moi. J'ai volé l'argent de l'assurance. On l'a déjà versé ça. Maintenant, tu pars en Afrique, tout le monde sait qu'on t'a déjà donné l'argent. Aïe! Elle a dit, tu as déjà vu, tu as les deuils, tu dois prier en même temps. Comment tu vas prier et les deuils en même temps? Elle a dit, tu vois là, c'est quand j'avais compris que ma mère était devenue chrétienne en vrai. Sa maman qui était venue aux États-Unis, elle dit, tu vois Dieu. Elle dit, maman, Dieu organise nos vies. Ma mère qui est venue aux États-Unis, elle était devenue chrétienne parce que ma mère, à la base, elle faisait les fétiches. Tu vois la situation que j'avais. Au début du mariage, maman me disait, ah, je te fais les trucs, laisse tes histoires de conneries là que tu me dis, les Américains. Comme elle lui avait dit, je pars à l'église des Américains. Sa maman lui disait, pour que je fasse les fétiches pour ton mari, il faut que tu me permettes. Elle m'a dit, c'est comme ça que les fétiches marchent. Comme moi, je ne disais pas à maman que attache-les pour moi. Maman, même si elle n'est pas attachée, elle ne pouvait pas attacher. Et puis, je ne pouvais même pas croire à ça. Maman attachée, papa, toute la vie, on a tabassé devant nous. Comment j'allais croire aux fétiches des mamans? Quand maman est devenue sœur aux États-Unis, en 2018, qu'ils étaient venus là, moi, j'ai eu mes papiers. Quand je suis rentrée au Cameroun, c'est ma mère qui était à genoux qui priait pour moi. Maman a un groupe de prières. Maman a laissé les fétiches en vrai. C'est pour ça que je sais que ma maman a laissé les fétiches. Parce qu'aux États-Unis, je me suis dit, ah, elle s'est fait baptiser, parce que c'est l'Amérique. Quand elle va rentrer là-bas, si tu la chauffes, elle va rentrer chez ses féticheurs. Elle a dit non. Ma mère m'a dit, viens. Viens. Si eux-mêmes, ils ont reconnu, ils sont venus ouvrir leur bouche, eux-mêmes dit qu'ils avaient voyagé avec les fétiches, c'est que toi, tu as un plus fort fétiche qu'eux. N'aie pas peur, viens. Si tu es convaincu à venir, viens. Parce qu'on devait, si c'est la laver, si c'est quoi là. D'enlever les choses sur les corps. La tradition. Elle est partie. Elle est arrivée au Cameroun. Mais par contre, c'est les gens de sa famille, c'est ceux qui l'ont lavé, ceux qui ont fait quoi. Mais elle a dit, elle a accepté ça parce que c'est obligé. Elle a dit même Dieu sait qu'elle ne voulait pas, mais on lui a fait ça. On lui a lavé. On lui a enlevé les quoi ça? On lui a enlevé les... On l'a libéré qu'elle n'est plus mariée, quoi. On l'a gardée comme ça par les gardes du corps. La famille là ne lui a rien fait. Elle a pris l'avion, elle est rentrée aux États-Unis. Dès qu'elle est arrivée aux États-Unis, comme elle avait quand même enterré le mari, elle a acheté une maison. Elle a dit, j'achète une maison pour mes enfants. Cash! Et tu vois, l'argent, tu ne voulais pas me donner là. Je vais acheter une maison pour mes enfants. Elle a acheté sa maison cash, les mêmes 2021 là. Elle a dit, je n'ai même pas attendu. Il avait pris mes 4 000 $ de souffrance. J'allais dans les salons de coiffure, on tuait les gens devant les... On tue quelqu'un comme ça devant la vitre, comme dans les films. Donc, si la balle trouve la vitre, ça vous attrape. Il avait pris mon argent des souffrances. Lui-même, il a arrangé ma vie. Comme il me disait, j'étais ramassée au Cameroun. J'étais amenée ici. J'étais donné les papiers. J'ai arrangé ta vie. Elle dit, Kabibi, moi, mon mari, il a arrangé ma vie jusqu'à la fin. Je suis devenue propriétaire d'une maison dans un bon quartier à 34 ans. Il m'a aimé à 16 ans. À 34 ans, il m'a rendu propriétaire aux États-Unis. Malgré toutes les souffrances qu'il m'a montrées. Elle dit, tu vois, pourquoi elle a appelé? Elle dit, hier, quand je faisais Kabibi Loba, à la fin, j'ai beaucoup parlé. Elle dit, parfois, tu dis des choses, Kabibi. Tu vois, quand tu parlais là, à la fin, tu disais que, pourquoi quand une situation est difficile, tu veux seulement t'accrocher? Elle dit, tu vois, moi, je voulais divorcer. Si j'étais partie, je n'allais pas avoir ça. Il allait faire venir sa femme, bah, ça allait venir faire leur vie. Mais parfois, tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Tu veux faire quelque chose. Elle dit, Dieu sait pourquoi ça ne marche pas. Si j'étais partie en 2018, je n'allais pas avoir la maison. Moi, je suis aide-soignante. Par rapport à lui, nos salaires ne pèsent pas pareil. J'allais m'en sortir, mais je n'allais pas avoir la vie que je pouvais avoir avec lui. C'était quand même un quoi? C'est un quoi? Un ingénieur des statistiques dans des grandes boîtes américaines. Il gagnait 340 000 $ par an. Il avait que deux clients. Deux clients, il travaillait. Aucune société vraiment qui l'a payé, c'est son assurance parce qu'il était self-employé. Il était son propre patron.
Elle a dit, j'ai récupéré l'argent à gauche, à droite, sans compter la sœur, elle est restée avec ses voitures. C'est elle l'épouse légale. Elle a pris toutes les affaires du mari, elle a dit à son frère, que j'envoie ça où? Elle a dit, maman, ici, c'est les États-Unis. Tu sais que les frères, là, ils étaient partis à l'assurance pour dire que oh, leur frère est mort et tout et tout. Là, c'est, oh, c'est du votre frère. Ce n'est pas votre frère ici qui est marié dans notre système. Oh oui, c'est lui. Mais maintenant, votre frère est marié, vous êtes venu chercher quoi ici? Même les gens de l'assurance étaient étonnés. Elle a dit, les Africains, ils sont partis à l'assurance pour prendre l'argent. Les types, mais le monsieur là est marié. Oh oui, il est marié, oui, mais nous, nous sommes les frères. Maintenant, vous êtes les frères. Il a la femme et les enfants. Nous, on va vous donner l'argent comment? Elle dit, laisse tomber. L'Afrique, c'est quelque chose. Elle a dit, c'est quelque chose. Ils n'ont pas eu le choix que de me laisser tranquille. De la laisser tranquille. Donc, comme elle est là, et elle, et ses enfants, ne causent pas avec les membres de la famille de son mari. Ses enfants ne les connaissent même pas. Elle dit, même ceux qui sont aux États-Unis, ils étaient, surtout celui qui est ingénieur là, lui aussi qui disait que celui qui a fait venir George aux États-Unis, c'est comme s'il a fait venir George pour moi. Mais j'ai des enfants de Georges. Oh, tu as décidé de garder l'argent. Maintenant, s'il t'arrive ce qui est arrivé à Georges, l'argent là va partir où? Hein? Ce qui est arrivé à Georges, c'est quoi? Georges est mort. Maintenant, si toi tu meurs, qui va gérer l'argent là? En tout cas, si je meurs, j'ai des enfants, ça va rester bloqué jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Donc, ils sont même prêts à te bouffer les enfants pour qu'ils prennent l'argent de Georges. Elle a dit, si Georges lui-même, il est parti faire les fétiches avec une bassa, eux, il ne rate jamais. Il ne m'a pas bouffé. C'est toi qui es aux États-Unis, tu vas me bouffer. Tu ne vas pas me bouffer. Je suis imbouffable. Elle a dit, non, je ne suis pas dedans. J'ai fait ma vie. Elle a acheté sa maison dans un très bon quartier, mais malheureusement, ils savent. Ils savent qu'elle a acheté une maison. Elle s'en fout. Elle a acheté pour elle et ses enfants. C'est son argent. L'assurance, c'était pour elle qu'il avait pris. Donc, elle a acheté, c'est son droit. Elle habite là-bas, elle fait sa vie, elle est toujours aide-soignante, elle travaille plus la nuit comme il n'y a plus de papa à la maison, elle travaille la journée, elle s'occupe de ses enfants, elle est restée avec beaucoup d'argent qui lui permet de s'organiser, elle est tranquille, elle fait sa vie. Et aujourd'hui, elle a 37 ans, elle est femme seule, mère de deux enfants. Son premier enfant a 12 ans, je écoute tellement d'histoires, je crois que son enfant a 12 ans ou 15 ans, un truc comme ça. Non, si elle a 16 ans aux États-Unis, ah, je ne me rappelle plus, mais entre 12 ans et 15 ans. Elle a ses enfants. Je crois que c'est 12 ans et 9 ans qu'elle a comme enfant. Et elle fait sa vie. Donc, elle a voulu partager cette histoire pour dire que, tu vois, il y a, elle dit, Kabibi, il y a des gens que chez eux, ils sont nés, Alléluia, Kambana, Yasu, Ekumisam. Elle dit, ils ont eu l'occasion de connaître Dieu. Elle dit, moi, je t'ai expliqué comment j'ai connu Jésus. Tu vois, Dieu a ses gens. Dieu choisit les gens. On était nous tous à l'église, maman, moi j'ai fait le deuil de Jésus. Et en tant qu'enfant, je me suis promis de ne pas le décevoir. Elle dit, c'est ça la seule prédication que j'ai eue dans ma vie. Sinon, j'allais le connaître où ma grand-sœur faisait les fétiches, ma mère faisait les fétiches. Qui, même dans ma jeunesse comme ça, personne n'est jamais venu me prêcher la parole. C'est seulement la croche là que j'avais eu les jours de Noël, que Jésus m'a fait pitié là, que je m'étais fait promesse de ne pas le décevoir, que je suis restée chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Dans ma vie, je connais que deux hommes. Mon premier copain, à qui je parlais, et mon mari qui m'a épousée, jusqu'à aujourd'hui qu'elle m'a appelée. Elle dit, je ne connais pas d'autre homme. Je n'ai pas eu l'occasion. Il m'avait pris petite. Elle a dit, mon mari, là, il devait être pédophile. Tu sais que toutes les petites femmes là qu'on dit qu'il épousait, Kabibi, elles sont toutes petites comme ça. Quand tu regardais ma santé, les jours qu'il est venu m'aimer, tu regardais monsieur 1m84 qui vient des États-Unis, maman. Tu me regardes, ma petite fille comme ça. C'est un pédophile. Elle dit, même quand je regardais l'enfant là qui me suit, yeah, le type ici n'a pas changé. Il aime que les petites, 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 petites filles. Il aimait que les petites filles comme ça. Mais c'est une petite fille qui a pris la vie dans les mains d'un grand gaillard. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton histoire. En tout cas, elle m'a raconté ça pendant 3 heures. Je l'ai réduite à 2 heures. Vraiment, j'ai fait un effort. Merci beaucoup, ma sistou. Je crois que j'ai tout raconté. La leçon est qu'il faut rester fidèle à sa croyance, fidèle à Dieu, lui faire confiance, rester ferme dans la prière, continuer à croire, même si tu as des combats. Elle dit, imagine la famille là, ils osaient même me parler. Pendant que j'avais leur photo, ils sont partis se marier. Ils sont partis épouser notre femme, la grande sœur là. Ils étaient au mariage, toute la famille est partie épouser la fille Bassa. Pendant que leur fils est marié, il n'est pas polygame, il n'est pas musulman.
La fille, là, elle a accepté seulement parce qu'elle avait l'argent. Et la blague, c'est quoi? Quand il est décédé, il y avait un conteneur qu'il avait commandé de Chine. Comme maintenant, il avait une femme officielle, non? Avec qui ils ont fait les fétiches. Il a commandé un conteneur qui était en route. Le corps est arrivé, le conteneur est arrivé le mois prochain. Ils ont récupéré les conteneurs, tous les biens du Cameroun. Elle dit, il lui avait tellement abîmé la tête que mon mari n'a rien acheté au Cameroun, n'a rien acheté aux États-Unis. Il est mort locataire. C'est moi qui ai acheté la maison. Au Cameroun, il n'a rien construit. Il venait qu'avec les conteneurs. Il donne l'argent à ses cousins, donne l'argent à ses soeurs, donne l'argent à ses amis. Il donnait l'argent à ses amis. Puis c'était le genre que quand il descend, les gens sont contents. Il va vous donner l'argent. Il n'a rien acheté dans sa vie à part les belles voitures et les habits parce que c'est quand il aimait s'habiller. Il n'a rien acheté dans sa vie. Rien. Sa vie est passée seulement comme ça. Les enfants sont avec elle. Les enfants sont avec elle et... Et quoi ça? Elle les entraîne à la prière. Eux-mêmes, ils ont grandi, ils ont compris. Elle dit, les enfants, ils voyaient comment on s'est disputé. Ils voyaient comment leur papa me parlait. Ils voyaient, papa parle au téléphone avec d'autres femmes dans la maison. C'est quelle éducation même que tu donnes? Il a deux garçons. C'est quelle éducation qu'il donnait à ses fils? Elle a dit, ma chérie, moi, je suis assise. Je lève mes enfants. Je sais que je suis jeune, mais je n'ai pas le temps. Elle dit, pardon, c'est encore trop frais. Tu vois quelqu'un qui t'a traumatisé. Hein? Maintenant, tu viens, tu le trouves, tu fais la main comme ça. La main tombe. Elle dit, tu ne peux pas imaginer cette image-là. C'est resté dans ma tête. Donc, je n'arrivais pas à croire qu'il était incapable de... Il ne pouvait plus rien me faire. Il ne pouvait plus rien me faire. C'est son histoire. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre présence. Merci. Merci, je n'avais pas liké ma vidéo, mais quand même, vous avez écouté. Vous avez fait l'effort. On a débordé en temps. Pour moi, son histoire était longue, ouais, mais c'est une histoire forte, c'est une expérience forte. C'est pour ça que cette maman, quand elle appelle, c'est Kabibi Loba, quand elle parle, elle a vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai vraiment abrégé son histoire. Elle me l'a raconté pendant 3 heures du temps. Elle m'a donné beaucoup de détails, des exemples dans la maison, comment ça s'est passé. Mais si on va sur ça, on ne va pas finir le direct. J'ai dit l'essentiel, ma sister, mais ça a quand même pris 2 heures. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre patience, pour votre présence. Merci pour les multiples commentaires. N'hésitez pas à écrire au bas de la vidéo. Comme je dis, ici, on partage nos expériences de vie parce que ça fortifie toujours une personne, ça encourage toujours une personne, ça donne la force à quelqu'un, ça donne l'espoir à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est en train de traverser un divorce très difficile, qui vit avec un homme juste horrible, un homme qui te complique la vie, ou une femme hein, qui te fait vivre à l'enfer. Il ne faut pas décourager. Si tu es croyant, si tu crois en Dieu, en tout cas, il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Et il faut aussi obéir au Saint-Esprit. C'était ça son message. Elle dit, Kabibi, imagine ces jours-là, si je n'étais pas allé travailler, le monsieur allait mourir. Un jour, je devais travailler. On allait dire, madame, vous travaillez ce jour-là. Vous avez planifié et tout et tout. Heureusement que j'étais partie travailler. Heureusement que lui-même aussi avait mis les caméras. Donc, il y a des choses. Quand il avait mis les caméras, ça m'avait vexé. Ça m'avait vexé, ça m'avait stressé, ça m'avait... Mais ces caméras-là m'ont sauvé. Ces caméras. Elle dit, c'est pour ça qu'il y a des choses... Il ne faut pas aussi trop discuter. Voir toujours le mal, le mal. Il y a des mal. On est en train d'organiser le mal pour toi. Le mal te sauve. Le mal te sauve. Donc, c'est vraiment ça, son partage. Merci beaucoup, my sister, en tout cas. C'est fétiche dont tu es exactement ce que maman dit. Elle dit qu'il ne voulait pas divorcer à cause de l'argent. La méprisant à cause de l'argent. Les caméras. Tout pour nuire à la femme. Vraiment, la vie n'est rien. La vie l'a corrigé. La vie l'a corrigé. Il y a des gens, qu'on ne peut jamais comprendre dans la vie. Il a fait tellement de sorcellerie que sa sorcellerie l'a bouffé lui-même. C'est peut-être la deuxième femme qui a fait ça, mais c'est tombé sur son mari. Effectivement, peut-être la deuxième femme elle est renforcée. Oui, oui, effectivement, parce que là, il y a le COVID là. Son COVID ne terminait pas. Elle est entrée en prière pendant le COVID. Parce qu'un COVID, tu es vacciné, tout. Tu ne vas pas taper 6 jours de COVID. C'est quel genre de COVID? Ce sont des COVID qui te viennent 1 jour, 2 jours, mal à la tête. Et puis le COVID passe. Mais elle a tapé 6 jours de COVID. Elle a dit, mais non.
Je vais un peu prier pour mon COVID. Le COVID a fait retour, c'est tombé sur le mari. Peut-être que c'était un faux COVID. On ne sait pas, mais officiellement, le mari est mort de COVID. Elle dit, vous êtes 315 et personne n'a vraiment, même pas 100 likes. Ah, maman, laisse tomber. Ils ont fait un petit effort seulement. Merci, continuez à liker la vidéo. Hein? Elle a récupéré 4 000 $ fois. Exactement. Si elle était partie au Canada, en tout cas, bon, elle aurait pu aussi s'en sortir, hein, rencontrer quelqu'un. Finalement, dans sa vie, ce garçon-là, il n'y a que elle qui lui a fait les enfants. Hein. Il a tenté à faire les enfants au Cameroun. Il n'a pas eu. S'il avait eu un enfant, on a dit que l'assurance, il faut donner aussi à l'enfant du Cameroun. Il n'a pas eu. Les deux filles ont avorté. Une a avorté, l'autre, la grossesse est sortie. Oui, il y a des familles de sorciers. Dieu existe, c'est mon histoire. Et c'est vu en France. Hein? Dieu existe, c'est mon histoire. Ah bon, c'est ça ton code ici? C'est maman Tati? Ok, je ne sais pas si c'est quoi ton nom sur YouTube. Maman Rachel qui dit, rien ne va lui arriver. Les beaux-frères lui-même risquent d'y passer. Notre sœur est protégée, effectivement. Le beau-frère lui dit que tu es une petite fille, tu ne peux pas gérer l'argent. Cette phrase-là, franchement. Merci beaucoup pour l'histoire, madame. Yes, j'ai liké. Vraiment, j'ai mal avec le message véhiculé par son histoire. Elle est sortie de cette relation sans maladie, effectivement. Cependant, il faut faire attention parce que ça ne finit pas forcément aussi bien. Ça, c'est sûr. Hein? Un mari qui va prendre des femmes partout. Mais ils étaient déjà en séparation. Ça faisait 1 an et demi qu'il habitait dans sa chambre tout seul. Elle est malheureusement tombée sur une très mauvaise famille. Exactement. Exactement. J'essaie de lire un peu ce que vous avez écrit. Bonsoir, maman Utsikatia. OK. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On va couper notre direct. Merci pour votre présence, votre participation. Vous comprenez bien qu'il n'y aura pas de Kabibi Loba ce soir. Demain, moi, je bouge un peu. On a un anniversaire surprise pour un ami de couple. Donc, je ne serai pas là. Je vais essayer de faire les directs à l'hôtel. Donc, ça dépend s'il y a une bonne connexion. Je vais faire les directs s'il n'y a pas. Donc, on va se retrouver lundi. Mais je vais essayer de faire des vidéos, hein, des vidéos montées. Ça, c'est parfois possible parce que parfois, le réseau rame. Donc, je peux me filmer et faire des vidéos montées. Mais pour les directs, s'il n'y a pas une bonne connexion, ça ne sert à rien de faire un direct qui bug. Ça m'épuise moi-même. Et puis, ce n'est pas de bonne qualité de vidéo. Donc, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sinon, ce qui est sûr, on va faire un direct lundi prochain. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.